Alors, c'est les gens ont trop bu dans le chat, c'est quoi ce délire? Je vois des trucs bizarres. Salut, 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 salut. Salut, Acid Space Widow, Thierry Bass, Jean-Michel Mozart, psychanalyste, Opus Incertum, Buckingham Palace. Salut Illustration. Ça va les amis? Black Angel 94-77, quand je pense qu'il y a déjà 94-76 Black Angel sur Twitch, c'est vraiment pénible quoi. C'est d'une pénibilité. Salut Ubi Bass. Ce soir, on fait de l'Astrolabe, d'une part parce que ça fait 2000 ans que je l'ai. Et d'autre part, parce que bah, y a eu des mises à jour et ça commence à devenir un peu moins buggy et toutes ces choses, parce que bon, on va pas se mentir. Hein. Ah, Arturia! On sort des produits, mais c'est normal, on est toujours en retard, tout ça, les trucs marchent pas, super, tout ça. C'est pour ça que j'aime pas faire les vidéos le jour de la sortie, d'une part parce que ça fait chier que les vidéos elles soient mélangées parmi les 112 000 vidéos qui sortent au même moment, et deuxièmement, bah voilà, on a des bugs. Donc là, ça va, là, ça commence à marcher. Ce qui est cool, quoi. Salut Sebzak, merci pour ton resub avec Prime, c'est cool. Voilà, donc je vais peut-être pouvoir vous parler un peu de ça aujourd'hui. Ça fait quelques temps que je l'ai. Merci Yox29 pour ton resub. 19 mois, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, ce soir, je vais pas vous faire un concert avec l'Astrolabe. Je vais juste le checker. Enfin, je l'ai checké déjà il y a pas mal de temps. Déjà, je vais m'excuser parce que je suis un peu malade, à nouveau. Comme je rentre du Maroc et que, évidemment, à chaque fois que je prends l'avion, je m'enrhume. Puis que j'étais déjà pas guéri de la dernière fois, enfin bref, c'est la cata quoi. Donc vous m'entendrez peut-être renifler, ok? Faut pas se formaliser. Genre ça. Ouais. On attend un pianiste de ce fait. Bah écoute, on va voir, hein. Tu vois, je suis pas Chopin, mais je me débrouille, donc on va essayer de faire des trucs. Bah, l'Astrolabe, ça fait. Je l'ai depuis à peu près 10 jours avant sa sortie. On me l'a envoyé, alors bon, Arturia me dit toujours, ouais, est-ce que tu veux faire une vidéo? Je dis, bah, 10 jours avant, les mecs, vous êtes sympas, mais moi, je suis pas l'usine, hein, je sais pas faire ça. Donc, il me faut du temps et tout. C'est un très très bel objet, c'est un très très bel instrument. Les flancs en bois sont assez cool, je sais même pas si c'est du bois, je vous avoue, c'est pas grave en fait. Ce qui est assez bien, c'est que c'est profilé, c'est. Sur les bords, là, vous voyez, les flancs en bois sont bien en ligne avec le métal. Je vais bouger, hein, je bouge. Je pense que vous devriez m'entendre si je bouge. Je reviens. Vous me voyez? Regardez, je suis là. Ouh! Olé, olé! On m'entend peut-être un poil moins bien, mais vous m'entendez quand même, hein. Hein, quand je tapote là. Ça va? Faudrait peut-être que je mette mon chat quelque part. Donc ce que j'aime bien, c'est que vous voyez là, ça là, ça c'est beau, ça c'est vraiment assez luxueux métal. Ok, le clavier, bah je l'aime bien, même si c'est en vérité c'est le même clavier, on m'a expliqué, que le Keylab Essential, c'est-à-dire que en fait c'est le clavier de la gamme de base. Donc je l'aime quand même bien, c'est pas le meilleur clavier du monde, mais il est agréable à jouer. Donc c'est un clavier, on va dire, synth action. D'accord? Donc ça va quand même, hein, c'est bien, ça le fait. Alors, on m'a expliqué que c'était le même clavier, mais il me semble qu'il a l'aftertouch quand même, donc je crois pas que ça soit exactement le même clavier. Donc, écoutez, on verra. Je vais voir, je sais même plus s'il a tout ça. On va regarder tout ça ensemble, ok? Voyons voir. Comme d'habitude, j'ai pas préparé le truc. J'y vais en mode à l'arrache, hein. C'est ce qu'on aime. Alors, qu'est-ce que c'est l'Astrolabe? Bah, c'est un synthétiseur hardware qui va en fait être un hôte à plugin. C'est en ça que c'est un peu intéressant en fait. C'est que ça va nous permettre de jouer les sons de Analog Lab. Je vais revenir sur le devant. Je reviens, j'arrive. Ça va nous permettre de jouer les sons de Analog Lab.
Clavier semi-lourd, ouais, c'est ça. Et c'est cool parce qu'en fait, les sons de Analog Lab, on peut avoir les sons qui sont effectivement dans Analog Lab, mais vous pouvez faire les vôtres, les préparer et puis derrière les mettre dans la machine, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même vachement sympa, ça, de pouvoir faire ça. Et d'emporter la machine après en live. Donc, plutôt sympa. Attendez, j'ai un petit problème de Twitch qui veut à nouveau sur l'iPad se mettre à jour juste quand je me mets en live. C'est vous dire à quel point je le démarre souvent sur cet iPad. Donc en fait un synthé qui va être intéressant. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment un synthé ou si c'est un autre plugin quoi, voilà. Bah, vous allez trouver en fait les effets et les plugins qu'il y a dans Analog Lab. Alors après j'ai pas rechecké, mais lorsque je l'ai eu pour la première fois, et on va peut-être le rechecker ce soir, le Analog Lab, donc c'est un plugin dans lequel vous allez retrouver beaucoup de presets de la suite V Collection. Et le Analog Lab sur lequel c'était basé, c'était celui qui se basait sur les presets de la V Collection 9. Or, on est à la V Collection 10. Donc j'ai pas rechecké si ça a été changé. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous utilisez un preset qui est fabriqué avec un instrument de la V Collection 10, comme le Mini V4 par exemple, on va retester ça ensemble ce soir, bah je suis pas sûr que ça marche. Donc c'est. Voilà, petite chose à savoir, c'est pas nécessairement très très grave. Mais, donc si vous n'achetez que, on va dire, l'Analog Lab, l'Astrolabe, qui vient donc avec Analog Lab Pro, bon, il n'y a pas vraiment de problème particulier à signaler, hein, si ce n'est que ça va être les presets de Analog Lab, et vous n'allez pas vraiment pouvoir fabriquer les vôtres from scratch. Si vous voulez fabriquer les vôtres, il va vous falloir une V Collection. Donc la V Collection, celle qui contient les vrais plugins avec lesquels vous pouvez créer des sons de base. Alors vous pouvez aussi modifier les sons d'Analog Lab et sauver en tant que nouveau preset. C'est-à-dire vous allez voir dans Analog Lab, il y a des macros, donc des petits boutons, et avec ces petits boutons, on peut changer les sons dans des proportions limitées. Et une fois que vous avez fait ces modifications, vous pouvez sauver ça sous forme de nouveau preset. Et le remettre ensuite dans la boîte, ce qui vous permet d'avoir des sons qui soient un petit peu personnalisés. Analog Lab, tu fais une soirée dessus, tu ressors avec un Big Smile, tout à fait, parce que les sons sont assez cool. Alors la popote créative de ce soir, Crazy Fingers 10, je t'avoue que je sais pas. Je sais pas, ouais. Non, je pense que c'est plutôt un tour d'horizon du synthé. Si je joue du synthé tout seul, je vais pas vous faire un live ou un truc, j'ai pas prévu en tout cas, voilà. Igo Attier, tu es nouveau dans la synthèse, ça n'est pas grave. Est-ce que l'Astrodab est un full numérique ou un hybride analogique? C'est complètement numérique, c'est une boîte à plugins. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit dans un ordinateur, en fait c'est un ordinateur qui héberge les plugins, et ou le plugin Analog Lab, c'est juste que c'est un instrument hardware qui va faire ça, que tu peux donc emmener sur scène, donc c'est... Voilà, c'est sympa. Synthé analogique numérique, non, enfin c'est pas du tout analogique, donc faut arrêter. Hein. Il n'y a pas d'analogue là-dedans. Ok, voyons voir. Le temps d'arriver sur le fameux live Twitch avec mon iPad, que je puisse lire vos chats quand je suis de l'autre côté, quoi, hein, parce que sinon c'est compliqué. Ah, j'y vais. Marvelous. Donc me voilà. Alors je vais essayer de monter un peu le micro comme ça. J'espère que ça va aller, que je suis pas dans le passage. Ouais. Voilà. J'espère que vous m'entendez à peu près. Donc, comment ça marche? Donc vous avez un clavier de 61 touches. Alors, c'est très simple. Vous faites Shift Back pour arriver sur le Home. Vous avez un gros bouton au milieu. Je zoomerai un petit peu après pour que vous puissiez voir vraiment précisément, mais là je vais vous montrer un petit peu le global. Le principe, c'est que vous avez des boutons ici, là, qui vont vous permettre d'accéder directement à la bibliothèque et les catégories de sons qui sont dans la boîte. Donc là,
C'est pas un contrôleur, hein, c'est vraiment un synthétiseur complet avec les sons qui sont dedans. C'est-à-dire que s'il est connecté à aucun ordinateur, ça marche aussi, hein, il n'y a pas de problème. Donc, et puis bah là, bah, normalement, si je vais sur le piano, là, j'arrive sur un premier son de piano, et puis ça me permet de... J'ai connecté une pédale sustain, normalement. Son piano, il est pas dégueulasse, hein, franchement. En fait, j'aime bien regarder dans les aigus ce que ça donne, parce que c'est souvent là qu'on voit si ça va pas, quoi. C'est pas mal. Ok, dans les graves aussi. Ok, donc ça, c'est le American Grand, mais vous avez aussi d'autres sons de piano. Donc là, en fait, pour choisir les sons, vous avez deux boutons, sinon vous tournez le machin là, donc ça ressemble à un Google Nest, c'est rigolo. Et là, vous avez donc les pianos, comme ils appellent ça, donc hein, piano, hop, et puis après, je peux soit descendre, j'ai un Black Forest, j'ai un autre son de piano. Winter's Night. Alors là, il y a un mélange, là, dans le précédent aussi, il y a un mélange de sons de synthé et de sons de piano. Sympa, un autre Hamamatsu Grand. Je peux me mettre un peu plus dans le grave. Des petites coupures, c'est mon réseau Ethernet qui déconne. Ok. Sympa, non? C'est plutôt cool. C'est beau, hein? Est-ce qu'il y a du piano électrique? Tout à fait, électrique piano. Donc là, en fait, je peux aller sur ce piano qui s'appelle Sweet Faced EP, comme Electric Piano. Ok. Sympa, j'aime bien personnellement, donc ok, cool. Un autre, un clave. Ok, Vurly. Ok. Ah, du DX. Bien, oui. Ok.
C'est sympa. Alors là, en fait, on commence à avoir des, on commence à avoir des sons qui sont composés de deux parties. Parce que dans ce synthé, dans l'Astrolabe, on a une multitimbralité, c'est-à-dire on a une bitimbralité très exactement. C'est-à-dire qu'on a des boutons ici, part one, part two, et on peut faire des splits, des layers. Donc c'est-à-dire couper en deux le clavier pour avoir un son à gauche, un son à droite, ou des layers, c'est-à-dire on peut empiler les sons les uns avec les autres. Et en fait là, alors on commence à voir, mais ici il y a un DX7 avec un Rhodes. Donc on a deux sons dans un son. Et donc en fait, on peut aller éditer chaque son, donc avec son volume sonore, ses différentes caractéristiques. Et si j'appuie sur Shift Part 1, je peux aller choisir le son qu'il y a sur la Part 1. Donc on zoomera un petit peu. Shift Part 2, je peux aller choisir le son qu'il y a sur la Part 2. Et vous avez un code couleur qui vous permet de savoir où vous êtes. Jaune pour la partie 1 et vert pour la partie 2. Donc ça, c'est plutôt assez pratique. J'aime bien. Ok, donc là si je fais Shift Back Home, je reviens, il y avait des électriques pianos, il y a des orgues, alors bon, B3 quoi. Oh, attendez, je suis en octave en dessous, ok. Ça c'est cool, ok. Ah oui, attends, là il y a une basse et puis là il y a d'autres trucs, donc c'est assez rigolo. Vous voyez, il y a un split ici avec. Ça a l'air d'être un Rhodes. Et ça, c'est un Farfisa ou un truc comme ça. Voilà. C'est rigolo. Organe. Waouh. Ah, ça sature là, là, là. C'est chaud, c'est chaud. C'est cool. Igoatier, je t'ai mis sur du satin. Eh ben, c'est cool, tant mieux, tu vois. Bon, je suis pas Chopin, mais j'essaie de me débrouiller, hein, ok? Donc, à tous les pianistes, mes excuses. Ouais, ok, Soul Sacrifice. Ok, ça c'est sympa. Ah, cathédrale organe. Bon, faut en avoir l'utilité, hein, perso. Ok. On est bien content. Voilà, là encore un split de B3. Ok, Church. Alors là, avec la roue, vous avez vu ce que ça fait? Alors un autre truc évidemment, c'est que bon là vous voyez, mais ces roues là, c'est classe quand même. C'est assez luxueux, je veux dire globalement la machine a un feeling assez luxe. Puisque voilà, on a du métal et les roues là sont en métal également, et vous voyez qu'à chaque fois que j'utilise la roue, il y a cette lumière là qui est assez classieuse, je dois dire. Donc ouais, j'aime bien, franchement j'aime bien, voilà. Bon. Ok, je vous ai pas encore montré tous les boutons qui sont là, puisque là en fait quand on va passer vraiment
sur des sons qui le nécessitent, on va avoir la possibilité d'utiliser ces quatre macros. Donc on a quatre macros qui sont shiftables, c'est-à-dire qu'en fait vous avez deux réglages par macro. Un réglage type brightness, timbre, time et movement. Alors j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais c'est intéressant de les avoir. Et en même temps c'est un petit peu frustrant parce que j'aimerais avoir plus quoi. Et puis à droite vous avez des boutons pour les effets. Et là, vous avez donc les deux effets qui sont inclus dans Analog Lab, FX-A et FX-B, qui sont en fait des batteries d'effets, c'est des séquences d'effets, parce qu'en fait, vous pouvez mettre plusieurs pédales, donc c'est, vous allez voir, je vous montrerai sur l'écran tout à l'heure. Et puis, c'est un pedalboard en quelque sorte, et puis Delay, Reverb, et à chaque fois, avec Shift, vous pouvez régler pour FX-A et FX-B l'intensité. Donc quand vous allez appuyer sur Shift plus FX-A, vous réglez l'intensité. Quand vous appuyez juste sur FX-A, vous réglez le dry-wet du FX-A. Et pour delay, quand vous appuyez sur Shift, vous réglez le temps de delay. Et quand vous utilisez la reverb, vous réglez le decay de la reverb, c'est-à-dire est-ce qu'elle est longue ou courte, quoi. C'est un beau clavier, hein, Ditbox. Ouais, non, on est d'accord. C'est un beau clavier. Et puis, évidemment, avoir les sons d'Analog Lab à l'intérieur d'un vrai clavier et de l'emporter sous le bras, c'est quand même pratique. On va pas se mentir, c'est vraiment bien. Et si vous êtes là-dedans et que vous avez composé des trucs avec la V-Collection et que ça vous fait suer d'emmener votre laptop, comme c'est le cas de nombreuses personnes, bah, vous emportez ça et tout le monde est content, quoi. Voilà. Alors, si je vais dans les basses, tiens, il y a une basse qui s'appelle A Bass from Knarf. Alors, c'est pas un preset d'usine, hein, c'est moi qui l'ai fait. je peux vous faire écouter. C'est un de mon preset préféré, quoi. Hein. Puis avec Brightness, ce que je vous disais, hein, c'est que. Donc là, on peut régler la cutoff directement, c'est le bouton ayant accès direct sur le plugin. Et là, on a la résonance. Voilà, donc si je tourne la résonance à gauche, vous avez un peu plus de résonance avec timbre ici. Donc, et après, si je fais Shift Volume, bah, j'ai le volume de la partie 1 et Shift Bass, c'est la master bass, c'est-à-dire plus de basse ou moins de basse. Donc là, c'est un truc plus de basse. On a énormément d'énergie dans le bas là quand on fait ça. Shift bas, si j'enlève les basses, vous allez voir. Un peu moins de basses quoi. Hein. Donc là c'est bien si vous êtes sur scène aussi. Vous voulez retirer du grave de votre clavier, bon, bah, de votre son, vous faites un shift bass parce que sinon il y a trop de bas. Enfin, bon, normalement quand vous arrivez sur scène, vous êtes un peu calibré. Et ça se passe bien. Alors, Nicolographe, c'est très. C'est pas Nicolographe, pardon, c'est Igo Attier. C'est très Moogien. Bah ouais. Puisqu'en fait c'est le mini V qui génère ce son, donc c'est une reproduction du Mini Moog Model D, donc c'est normal que ça sonne Moog puisque c'est vraiment la reproduction du Moog. Voilà, donc après il y a d'autres sons hein, bien sûr, donc là, là on a un ARP 2600. Donc là en fait on a accès à l'arpégiateur si on veut. On peut appuyer sur Harp pour l'allumer. Ensuite, on peut faire un appui long. Et là, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Hop. Hop. Ça doit être à peu près OK comme ça. Ça bouge un peu, hein, parce que le sol, est, c'est du parquet. Donc, quand je bouge, ça bouge. Hein. Pas s'inquiéter. Donc je vous la refais, je fais back, là j'étais sur ce son qui s'appelle Abacab Bass. Vous voyez en fait le gros bouton là, c'est à la fois un bouton qui tourne et en plus il a vraiment un truc sympa, c'est qu'il y a un espèce d'effet haptique et ça fait tic 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 à l'intérieur quand on touche, c'est à dire que quand il passe sur un menu on sent et on entend un petit tic tic tic. Alors je sais pas si vous l'entendez là, mais en tout cas, moi je l'entends, parce que je suis dans la même pièce, forcément. Et quand je veux choisir mon son, bah, j'appuie en fait au milieu. Voilà. Ok, donc ça c'est cool. Donc là je vais appuyer sur Harp. Et vous voyez, en fait quand j'appuie sur Harp, il me dit Long Press Harp to Edit. Donc là si je fais Long Press Harp,
j'accède au réglage de l'arpégiateur. Et du coup, je peux aller allumer l'arpégiateur, le passer en hold si je veux. Donc, j'appuie pour allumer le réglage. Je peux régler le type, vous voyez, up, down, ordered, reversed. Donc, en fait, c'est tous les réglages qu'on peut s'attendre à avoir dans un arpégiateur. Hein, c'est assez simple. Voilà, donc là, je peux me mettre en random, par exemple, j'appuie. Octave range pour avoir, par exemple, 2 octaves. Là, on voit le rate, il est réglé à la noire, 1/4. Je vais le régler à la double croche, 1/16. Voilà, et maintenant, quand je fais ça... Sature. Alors il crache, hein. Il crache le synthé, donc je vais peut-être le baisser un petit peu, bougez pas. Je le baisse un petit peu parce que ça crache, donc il est en... ici... Ouais. Il est à 0 dB, il crache, donc il va falloir que je le baisse là-bas, donc c'est pas grave, je vais le baisser là-bas, ok. Ok. Voilà, je le baisse un peu parce que sinon c'est un peu too much. Donc là en fait ce qui est bien c'est que j'ai accès direct, en fait quand je vais dézoomer, hop. Ici j'ai un accès direct aux effets, donc là je peux tourner brightness si j'ai envie. Dans le domaine de la 303. Reverb. Et là, j'ai deux FX, FXA et FXB. Ok. Donc là, ce que je peux faire éventuellement, c'est faire Shift FXA pour régler. Alors, je vais faire back pour qu'on puisse voir à l'écran. Shift intensité de l'FX1, donc pour le mettre un peu plus fort, intensité de l'FX2, puis on va voir ce que ça donne. Vous voyez qu'on peut, on peut avoir des sons qui sont très différents avec un seul son. Hein. Alors j'ai ces deux macros, time et movement. Alors non seulement on peut régler en fait avec shift, comme je vous ai dit tout à l'heure, volume, basse, médium, aigu. C'est-à-dire que si je veux moins de basse, fais shift basse vers le bas. Shift basse vers le bas. Je peux rajouter des médiums si j'ai envie. Et des aigus si j'ai envie. Ok, puis FXB, je le baisse, ok. Ok, donc ça fait des trucs rigolos, bon voilà, vous voyez l'idée. Quoi. Ok, puis ensuite je fais Shift Back pour retourner à la maison, je peux retourner dans l'onglet basse, et là je me retrouve sur la présentation globale du truc. Quoi. Voilà, voilà. Ça commence à être convaincant. Oui, non mais ça l'est, en vrai. Donc après, ben, on peut continuer sur les basses, hein, on peut descendre. Donc une sub. Sympa, on va dire. Hein. Ok, alors ça... Alors ça, c'est pigment. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a aussi une modélisation de pigment à l'intérieur de l'Astrolabe. C'est-à-dire que si vous faites des sons dans pigment, bah, vous pouvez
les réinjecter à l'intérieur de l'Astrolabe. Donc moi, je fais des tonnes de sons dans Pigment pour mes prods. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir réinjecter ça dans un synthétiseur hardware. Donc, avoir un synthé dans lequel je peux envoyer des programmes change depuis un séquenceur, par exemple, et avoir le son que j'ai dans ma prod, mais à l'intérieur d'une machine hardware. Avec la petite restriction de la version, hein, c'est-à-dire que là, il va falloir bien regarder au niveau des numéros de version et tout ça pour être sûr que vous prenez pas un son qui est fait avec une version de Pigment qui est pas compatible avec l'Astrolabe. Et ça, je pense que ça va être une des faiblesses du produit et il va falloir qu'Arturia fasse attention à ça, c'est-à-dire à jusqu'où ils sont capables d'aller en termes de conformité entre la version Astrolabe et la version ordi, hein, parce que ça va être un peu le point clé, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont réussir à rattraper le retard ? Parce qu'en fait, je vois très bien le truc, comment ça a dû se passer. C'est-à-dire qu'ils ont développé, ils ont commencé à développer l'Astrolabe, c'était la V-Collection 9. Ils ont sorti entre-temps la V-Collection 10. L'Astrolabe a une version de retard. Et comment on fait pour rattraper ? Et puis, ben, on va toujours avoir un petit train de retard. Donc ça va être le truc un peu relou pour les possesseurs de V-Collection et d'Astrolabe, c'est-à-dire est-ce qu'on va réussir à avoir des versions qui vont être cohérentes entre les environnements. Est-ce que Pigment est compatible avec l'Astrolabe? Bah, j'ai répondu à ta question, Nicolographe, je crois. Est-ce que j'envisagerais de remplacer mon Base Station en live par cet outil? Absolument. Alors, pour le son, puisqu'en fait, à l'intérieur, on a le son du Mini, et le son du Mini est très très bon. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Après, moi, j'ai d'autres contraintes qui ne seront pas, peut-être pas les vôtres, c'est-à-dire l'encombrement. C'est-à-dire que moi, je ne me vois pas emporter ça dans ma valise si je prends l'avion. Enfin, c'est compliqué, quoi. Par contre, si je dois prendre ma bagnole pour aller jouer pas très loin, c'est, pour moi, ça le fait. Il n'y a pas de problème. Harpe. Pareil, longue presse pour l'arpégiateur, revenir à la double croche, octave. Ok, cool. Avec la pédale. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'avec la pédale, en fait, ça fait un hold. Mais je vais vous montrer, attendez, il faut que je rattrape ma pédale parce qu'elle s'enfuit. Elle n'est pas scotchée par terre, c'est pour ça. Donc en fait, quand j'appuie sur ma pédale, donc là, j'appuie sur ma pédale, j'appuie sur une touche. Je vais faire un accord. Je vais faire un autre accord, mais sans relâcher la pédale. Vous voyez qu'il il ne reprend pas les notes d'avant. C'est sympa, quand même. Bref, je pourrais durer comme ça pendant des heures, mais vous voyez que c'est assez sympa de s'amuser avec tout ça et d'avoir finalement accès à des sons qui, somme toute, sont plutôt très cool. Donc je suis assez content, voilà. Attendez, je remets ça un petit peu droit, voilà, qu'on puisse me voir un poil mieux, je pense. Ah, coucou. voilà.
Je lis un peu ce que vous me dites. Est-ce que pour toi, le Mini Nova de Novation est un bon synthé pour se lancer? Oui, alors, mais c'est juste pas le sujet du jour. Oui, c'est un très bon synthé. Ça rejoint un peu le côté Native Instruments, c'est l'interface qui fait le clavier. Ouais, bien que là, en fait, je pense que l'interface est largement perfectible. Ce que je disais, hein, c'est que c'est assez luxueux et tout. Avoir des boutons pour les sons, c'est cool. Mais en vrai, quand t'as envie d'avoir un synthé de scène, tu veux avoir des boutons d'accès direct pour tes presets. Alors, je pense qu'on peut y arriver, hein, parce qu'il y a un mode, il y a un mode song que j'ai vu, mais j'ai pas encore exploré le truc, mais je pense qu'on peut... On peut créer ses propres songs et avoir sa playlist comme ça. Alors, je pense qu'en fait, si tu reviens là-dessus et que tu fais home, alors je vais zoomer un peu. Voilà. Hop. Donc ça, c'est la home, on va dire, de l'Astrolabe. Donc en fait, voilà, on peut cliquer dessus pour aller sur les types, pour aller choisir son type de son. Donc là, je suis sur part 2 en vrai, parce que je sais pas pourquoi la part... Ah non, j'étais sur part 1, ok. Bon. Excusez-moi, donc je vais faire Shift Home. Donc là, je peux cliquer là-dessus pour avoir affiché les types. Donc j'ai basse, keys, enfin c'est classé par catégorie, piano, électrique piano, organ, strings, brass and winds. Alors là-dedans, vous allez retrouver non seulement toutes les modélisations des synthés, mais vous allez aussi avoir une partie, tout ou partie des synthés augmented, c'est-à-dire si je vais dans les strings, par exemple, vous avez les sons samplés, ok. Donc là, par exemple, les full strings, vous allez retrouver des sons de Augmented Strings. Ok, big strings. Alors des big strings qui sont faites avec des synthés en plus, donc c'est pas tout à fait le même délire là. Parce que là je vois qu'en gros on doit avoir un 5 clavier avec un truc genre ça doit être un CZ ou quelque chose comme ça. Vous le voyez sur le truc hein. Voilà, si je vais ailleurs, chamber strings, là on est sur du CS80, donc vous voyez des strings. Thierry-Babasbier de 200 bits. Merci Thierry, merci, c'est cool. Donc là c'est des strings synthés quoi. Alors vous voyez, le clavier a de l'aftertouch. Hein. Alors c'est pas de l'aftertouch polyphonique, c'est de l'aftertouch polyphonique, monophonique, j'ai dit monophonique, c'est rigolo. Mais vous avez de l'aftertouch, donc c'est plutôt assez cool. Alors, aftertouch monophonique, ça veut dire que quand on fait un accord et qu'on fait un appui, on a un effet qui s'applique, qui est exploité par le fait qu'on a fait cette pression, mais il s'applique sur toutes les notes. On dit en ça qu'il est monophonique. Un aftertouch polyphonique, c'est quand vous faites ça et que la note sur laquelle vous appuyez est la seule sur laquelle s'applique l'effet. Là, évidemment, ce n'est pas le cas, comme vous avez pu le constater. Ouf. La banque de sons est assez gigantesque. Je ne sais plus exactement combien il y a de sons. Enfin, tout ça, c'est dispo sur le site Arturia. Mais il y en a bien assez. Folk guitare. Alors là, voilà, on se retrouve avec des guitares. Bon, ça fait un peu guitare cheap, mais ça marche quand même, ok ?
plutôt cool, non? C'est plutôt cool. Là, je pense que c'est un mixte entre deux Moog modulars. Je vais dézoomer. Ok. Voilà, donc c'est plutôt assez sympa. Les guitares, on va pas se mentir, c'est jamais ça en synthé. Ouais, c'est cool. Bon. Ouais. Toujours des strings. Alors là, c'est des pluck strings. Un peu de reverb. Plutôt sympa. Ok, Mystic Pluck. C'est marrant parce que ça jouait pas. Alors, vous voyez par exemple un truc que j'aimais pas du tout avec la première version et qui s'est beaucoup amélioré, en tout cas c'est le sentiment que j'ai en naviguant dans les sons, c'est que dans la première version, quand on passait d'un instrument à l'autre, surtout quand on avait un instrument samplé, ça prenait beaucoup beaucoup de temps à charger. Des fois on pouvait avoir 5-6 secondes de temps de chargement, et on avait encore l'ancien son alors qu'on avait chargé le nouveau, enfin c'était un peu bizarre, donc c'était pas super. Là je pense qu'ils ont un peu amélioré le truc. Oh, vous voyez, c'est des samples, hein, donc ça ressemble un peu du Mellotron, hein, c'est rigolo. Blade Runner, là un double synthé avec je pense que c'est un Prophète avec un Eminent. Était très étrange, mais voilà. DX Nylon guitare. Donc ça, c'est une guitare DX. Donc c'est vraiment un truc à la fois sample plus DX7. Plus de reverb et de delay, parce que moi, tu vois... Je sais pas jouer de la guitare au clavier, ok? Donc, Attack Strings. Ah, vous avez vu? Ça me l'a fait, là, le truc dont je vous parlais il y a un instant. Bon, c'est un peu moins long. Donc là, un truc intéressant à regarder avec ce type de son, c'est de voir ce qui se passe avec les macros qui sont là. Vous voyez? Avec ce bouton là. Avec le time, on peut vraiment allonger la durée des notes. Il y a du mouvement là, P1 motion. Sympa, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Et les violons sont beaux, quoi, hein? Bon, là, c'est toujours un peu le même effet sur les violons. Acoustique Pizza Gogo. Vous voyez, ça a mis de temps à changer encore. Donc, le problème n'est pas résolu, manifestement. C'est-à-dire que vous changez le temps que ça charge les samples et tout. Bon, voilà. Parce qu'il y a une mémoire interne avec du stockage. Il y a,
je sais plus, presque il y a une trentaine de gigas, quelque chose comme ça. C'est rigolo. Voilà, bon, bah, bref, vous avez plein de sons, c'est chouette. Si je fais Shift Back, j'ai des tonnes d'options à ma disposition. Donc je peux soit classer par type, je vais zoomer un peu. Hop. Hop. Classer par type, classer par instrument. Donc alors quand je vais cliquer là-dessus par instrument, je peux aller choisir les différents instruments qui sont à l'intérieur de Analog Lab Pro et qui sont en fait extraits de la V-Collection. Donc vous allez retrouver la RP2600, Augmented Piano, Augmented Strings, donc Augmented Voices, B3, Boucla Easel, Clavinette, CMI Fairlight, CS80, CZ pour le Casio, DX7, Emulator 2, Farfisa, Juno 6, Jupiter 8, Korg MS20, Matrix 12, Mini c'est le Moog, Modular c'est le Moog aussi, Multi ça, bah, j'imagine que c'est une... truc multiple quoi. OPXA, Piano, Pigment comme vous pouvez voir, Prophet 5, Prophet VS, Sampler, SEM, Solina, vous les avez tous, hein, SQ80, Stage 73, Synclavier, Synthi, Vocoder, Vox Continental et Vurly, donc voilà, plutôt assez sympa. Vous avez aussi des sons qui ont été faits par des artistes et donc, alors je vous ai pas montré mais là si vous êtes dans instrument et que vous voulez tous les sons du Synthi, vous appuyez. Hein. Et puis là, vous allez avoir tous les sons du Synthi. Donc il y en a quelques-uns. Hein. Si vous voulez en charger un, ben voilà, on y va. Hop, c'est parti. Et on a un son, un preset du Synthi. Plutôt cool. Voilà, et donc si on fait back, on va pouvoir aller chercher d'autres types de sons. Donc là, je peux aller chercher par artiste. Si j'appuie sur artiste, j'ai tous les artistes qui ont contribué, j'imagine, ou en fait, pour lesquels les sons sont inspirés de ces artistes. C'est-à-dire que là, par exemple, Aphex Tribute, c'est des sons qui sont inspirés d'Aphex Twin. C'est pas Aphex Twin qui les a fait, hein, bien sûr, mais vous en avez quelques-uns. Donc voilà, Aegis Pad, un preset qui semble-t-il est fait avec Pigment, donc on peut essayer ça. Sympa, je fais back, Beatles Tribute, donc là j'ai du Strawberry Flute, vous allez retrouver j'imagine le son de flûte de Strawberry Fields. Ok, bon je sais pas le jouer, mais vous saisissez l'idée. Back, Berlin Tribute, donc là on va avoir des sons Berlin School. Voilà, alors voyons voir. The Metro Sync Lead. C'est parti. Là, je bouge les boutons des macros, vous ne me voyez pas parce que j'ai zoomé sur le truc, mais voilà, bref. Ok, back, etc., etc. Donc là, j'ai classé par artiste. Maintenant, je vais aller classer par favori. Donc si vous avez liké des presets, vous allez les retrouver là-dedans. Donc là, par exemple, j'ai celui-là, que j'aime beaucoup. Je vais baisser un peu. Thank you.
plutôt cool. Voilà, je sais plus si j'en avais d'autres. Moody Sky. Là, c'est moi qui bouge. Je vais dézoomer un petit peu. Again, voilà, ok. Donc, alors, et ça va me permettre de vous parler aussi peut-être un petit peu plus de ces deux fonctions-là, harpe et corde. Puisqu'en fait, là, quelque part, quand vous avez un son, là, je prends un pad, là, par exemple, je vais prendre un pad... Si vous avez des petits soucis à jouer certains accords, en fait, ici, vous avez en dessous de cordes, vous avez scale, mais si vous appuyez sur cordes, le chord mode, c'est-à-dire le mode accord, se met on, et donc là, vous pouvez avoir des accords qui se mettent directement. Et alors, si j'appuie long press, je peux activer la gamme, et vous voyez que les notes, elles s'allument et s'éteignent ici au-dessus avec les petites lumières. Mettons que je veux être en ré mineur. Ok, je me mets en ré mineur. Ok, je peux choisir. Voilà. J'ai activé le mode corde et puis voilà, c'est parti. Et là, en fait, j'ai les accords qui s'exécutent, qui se jouent diatoniquement. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez monter les notes de la gamme, vous allez avoir... différents types d'accords. Là, j'ai un accord diminué. Ok, donc là c'est un Fa majeur, Ré mineur. Donc là, je vais avoir un Mi diminué, Fa majeur, Sol mineur, La mineur, Si majeur, Do majeur et Ré mineur. Et en fait, si je prends les touches noires, je vais avoir les sus 4. Et c'est super cool ça. Vous voyez, je peux faire ce genre de truc là. Fa. Ok. Après, je peux, je pense, hein, peut-être je vais me gourer, mais si j'active l'arpégiateur... Je vais, voilà, égrener les notes de l'accord, c'est encore plus cool. Et là, c'est cool, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver un son, par exemple, de lead ou de basse. Voilà, on va prendre un son de basse. Et on va se trouver un son qu'on aime bien, je sais pas, le Pluckman, là. Par exemple, celui-là, moi, je l'aime bien, ok. Je vais activer le mode corde, long press. Je vais faire la même manip, j'active la gamme, je me mets en ré... mineur, ok, parce que j'aime bien. Alors j'ai plein d'autres gammes, j'ai harmonique mineur aussi, j'aime bien. Mélodique mineur, lydien, mixolydien, dorien, phrygien, locrien, gypsy. Et vous voyez, à chaque fois que je change de gamme, vous voyez les lumières ? Elles bougent là. Hein. Ok, ça vous permet d'avoir une indication sur quelles sont les touches qui sont dans la gamme ou pas. Alors vous pouvez les forcer, hein, vous n'êtes pas obligé de les mémoriser ou de jouer uniquement celles qui sont allumées. Vous pouvez les forcer, donc il n'y a pas de souci. Pentatonique mineur, blues, voilà, bref. Moi, je vais rester en Ré mineur. Ok, j'appuie pour confirmer. Et puis, j'allume l'arpégiateur. Et puis là, je vais faire un long press sur l'arpégiateur. Je vais prendre un arpégiateur de type, random. Ouais, ok. Je vais le mettre en hold parce que je préfère. Deux octaves. Et au lieu d'être en rate à la noire, je vais me mettre à la croche, à la double croche même. Je vais confirmer en appuyant. Et puis là, bah, normalement, j'ai un truc. J'ai un truc qui sonne de ouf, ouais. Direct. Cool ou pas ?
quelle note ça. C'est cool ou pas? Ouais, franchement, je trouve ça cool. Et là, j'ai un looper intégré. Donc c'est assez cool, je peux utiliser ça là comme looper. Donc là je suis à tempo 120, mais si je veux je peux régler le tempo. Je vais me mettre à 125. Ok, hop. Voilà, je peux régler. Tais-toi looper. Je peux régler les paramètres de mon looper. Ouais. J'ai été un peu trop vite là. Looper, arrête de louper. Exactement. Je vais juste vous montrer vite fait le looper, parce qu'en fait j'ai fait shift tempo. Je vais zoomer un peu. Ok, pour qu'on puisse voir, parce que sinon c'est. Voilà. Juste pour vous montrer un peu plus en détail, mais donc je ne sais pas si on voit très bien les sérigraphies au-dessus des boutons ou en dessous des boutons, il y en a qui sont un peu grisés comme ça. Et là, vous avez donc cette zone, c'est un looper, vous avez un bouton play, un bouton record. Vous avez le bouton shift qui est là, quand vous appuyez là, plus back, vous retournez à ce qu'ils appellent la home, c'est-à-dire la page d'accueil, où là, vous pouvez faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, vous avez donc... vos presets favoris, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais il y a les soundbanks, donc si vous avez des banques de sons utilisateurs, elles vont se retrouver ici, là par exemple, A Bass from Knarf, qui est une basse dont je vous ai parlé tout à l'heure, je peux aller la jouer directement, donc elle est directement accessible très facilement, voilà, je fais back, là je peux aller sur mes playlists, et c'est là qu'en fait, je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir mettre ces songs, c'est-à-dire que là on va pouvoir créer une nouvelle playlist de sons qui vont faire partie par exemple de votre set si vous jouez en live. Donc là vous faites new playlist, puis là vous avez une nouvelle song, voilà, song 1, et puis quand vous allez dedans, bah, il n'y a pas de preset, mais vous pouvez rajouter des presets dedans. Alors honnêtement, je n'ai pas trouvé encore comment on fait pour rajouter des presets depuis la machine, mais si vous la connectez sur l'ordi, c'est très facile, puis on va faire ça dans un instant, vous verrez, c'est assez cool. Ok, et puis après vous avez les settings général. Alors je vous montre les settings. Donc le tempo. Alors le tempo, on peut y accéder soit par les settings, soit on fait shift tempo. Oups, je suis en train de cogner dans la caméra. Donc là par exemple, je peux aller cliquer là-dessus et puis fixer mon tempo. Donc là j'étais à 125 tout à l'heure. Je vais rester à 125. On peut choisir de se synchroniser sur des sync sources, hein. On a des entrées MIDI et de l'USB MIDI à l'arrière. Il y a même un hub USB à l'arrière qui permet justement de connecter des contrôleurs MIDI si vous voulez, ce qui va permettre d'ajouter, et c'est vraiment un truc bien ça, c'est-à-dire que là vous voyez par exemple il y a un petit espace, ben, moi je me vois bien mettre un petit contrôleur MIDI ici là, sur la gauche, là où il y a de l'espace, pour rajouter des boutons de contrôle. Bon, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas... justement qu'on n'ait pas profité pour ajouter des boutons customisables ici là, plutôt que d'avoir juste ça. J'aurais bien aimé, voilà, un jeu de 4 ou 8 boutons là, ça aurait été vraiment super d'avoir 8 boutons ici qu'on peut customiser, ça aurait vraiment été sympa, mais bon. Un limiteur, donc ça c'est bien si vous voulez calibrer votre son et vous assurer que vous n'allez pas au-delà d'un certain niveau, c'est chouette. Vous l'allumez, vous l'éteignez, et puis là vous choisissez la limite, le seuil, donc là il est à 0 dB, mais vous pouvez le mettre à moins 4, moins 5, c'est vous qui choisissez, et il y a des réglages de limiteurs, par exemple la release en millisecondes, tout ce genre de trucs, c'est cool. Alors, c'est plutôt pas mal foutu. USB drive, donc on peut connecter une clé USB sur le port USB dont je vous ai parlé il y a un instant, sur lequel vous pouvez connecter des contrôleurs MIDI, vous pouvez importer des playlists aussi, et stocker des trucs. Ah, de manière tout à fait surprenante, ce clavier il fait aussi Wi-Fi et Bluetooth, c'est-à-dire que vous pouvez le connecter à votre Wi-Fi, donc c'est chouette, pour pouvoir le connecter à votre ordi, par exemple si vous avez un Mac, vous le connectez au Wi-Fi de votre Mac. Il peut aussi faire hotspot Wi-Fi, c'est-à-dire que lui il peut créer son propre Wi-Fi, voilà, si vous avez envie, donc Wi-Fi mode, connect to local network, mais sinon vous faites Start Wi-Fi Hotspot, là, comme c'est le cas. Et puis, bah, là, je vais pouvoir me connecter, donc là, sur Astrolab 0802, avec le password qui est là. Et puis, je vais pouvoir connecter mon Mac là-dessus et commencer à échanger des sons
et configurer mon Astrolabe. Alors évidemment, on peut le faire par USB classique, hein, il y a un port USB-C sur la machine. Moi, c'est comme ça qu'il est connecté, et il est connecté à mon PC, vous allez voir, ça marche. Mais si vous voulez faire ça en Wi-Fi, c'est aussi possible. Vous pouvez même le faire en Bluetooth. Alors, je ne sais pas si ça marche trop fort sur PC, parce que le Bluetooth sur PC, je n'ai pas testé. Si c'est du Bluetooth MIDI, il est possible que ça ne marche pas très bien. Donc à tester, bon, je n'ai pas encore testé. Voilà. Voilà, alors là je vais revenir sur Connect to Local Network. Bon, j'ai pas décidé de me connecter en Wi-Fi, je m'en fous. Bluetooth c'est pareil, on peut se connecter en Bluetooth si on veut. Voilà, il est par défaut détectable. Vous avez une zone MIDI in-out où vous pouvez régler les canaux MIDI avec lesquels vous allez pouvoir jouer les sons de l'Astrolabe. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Bah, rien ne vous empêche, même si c'est plutôt un clavier de scène, de considérer l'Astrolabe comme un synthé multitimbral que vous pouvez séquencer depuis un ordinateur. C'est tout à fait possible. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez régler les canaux MIDI ici. Vous dites par exemple, la part 1, elle répond sur le canal 1. La part 2, elle répond sur le canal 2. Et puis, bah, sur votre séquenceur, hein, que ce soit, je sais pas, Cubase, Logic, Ableton Live, ce que vous voulez, vous mettez canal 1, vous allez attraper le son 1. Canal 2, vous allez attraper le son 2, quoi. Ok, donc là, par défaut, il est sur All. Ok. Keyboard Channel, donc ça, c'est le canal d'émission du clavier. C'est-à-dire que quand vous allez connecter ça à un ordinateur ou à un autre synthé, bah, vous allez envoyer du canal 1. Sinon, vous réglez, là, de 1 à 16. Ok, c'est vous qui savez. MIDI Out Filter, vous pouvez filtrer des trucs. Donc, soit Keyboard Only, soit Auto. Alors, ça, je ne sais pas trop ce que ça fait. C'est bizarre comme MIDI out filter, auto ou keyboard only. Ouais, alors je pense qu'en fait, on peut, en faisant ça, on peut filtrer les informations MIDI qui seraient envoyées par les boutons. C'est-à-dire que si vous vous mettez en keyboard only, ça n'envoie que les notes du clavier et éventuellement l'aftertouch et éventuellement le pitch bend. Mais tout ce qui est information de MIDI CC, à mon avis, c'est filtré. Donc là, moi, je le laisse en auto. Et là, vous voyez, Knob Send CC, justement, c'est l'idée que quand vous tournez un bouton, bah, y a un message MIDI qui part et qui donne des informations MIDI que vous pouvez ensuite exploiter. Voilà. Ouh, ça fait des trucs, hein. Ils ont fait ça pour les musiciens qui ont besoin de jouer avec une partoche sur une tablette. contrôleur MIDI en plus, oui, on peut faire ça. Voilà, alors ici il y a un truc je pense qui permet de connecter un accessoire comme un pupitre. J'ai pas vu sur le site Arturia s'il y avait des accessoires pour ça. En tout cas, je pense que si c'est pas encore là, ça va pas tarder à arriver. Parce que ça, ces trous là, ça ressemble à un machin pour poser un pupitre. Voilà, alors back, vous avez des controls, un menu controls où vous avez la vélocité du clavier qui est en réglable medium, heavy ou light. Voilà, bon, qui est par défaut en médium. Aftertouch sensitivity, linéaire ou logarithmique ou exponentielle. Elle était par défaut à linéaire. LEDs mode pour les keyboards. Donc c'est ça, là, j'imagine. Voilà, on peut show all, off ou show split. Voilà, bon, voilà, moi je le laisse en show all. Pédale, où on peut changer la polarité de la pédale de sustain. Ça peut arriver que certaines pédales de sustain, elle soit on quand en fait elle est en haut et off quand elle est en bas, et d'autres qui sont réglés différemment, donc vous pouvez le changer à l'intérieur du synthé. Polarité de la pédale d'expression, c'est la même chose. Voilà, puis après aux 1, aux 2, qui sont aussi des connecteurs pour des pédales supplémentaires qui peuvent justement allumer. Là, c'est ce qu'il vous dit. Avec aux 1, quand vous connectez un commutateur sur l'entrée aux 1 qui est derrière, ça fait FXB on off, FXA on off, ou sinon ça fait Rotary. Donc ça, c'est pour les orgues. Si vous voulez démarrer la Leslie, vous savez, l'effet de rotation d'un orgue que je vous ai montré tout à l'heure quand j'utilisais la roue de modulation, ben on peut l'automatiser avec un commutateur qui serait connecté sur aux 1 ou aux 2. Vous avez aussi FXA on off et delay reverb on off, sinon next et previous preset, previous song, next song, donc ça c'est pas mal.
harp on off, harp hold, looper record, looper play, tap tempo. Ah, il y a plein de trucs, hein. Franchement, il y a plein de trucs. Donc voilà, à vous de choisir ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre voilà, comme ça, la polarité de l'aux 1, puis la même chose sur aux 2. Utility, donc click to load, bah là c'est pour le bouton en question. C'est-à-dire si vous voulez, bah voilà, si vous voulez pas, bah faut. En fait, c'est quand vous êtes sur des sons, si vous voulez les charger, faut appuyer. Sinon, quand vous êtes dessus, ça les charge tout seul. Moi, je préfère appuyer pour charger parce que ça, c'est comme ça, j'ai pas besoin de, enfin, je charge pas des sons pendant que je brose quoi. Et le tick sound, show CPU, initialize setting, et voilà, vous voyez là, je suis en version 1.1.6, je l'ai mis à jour tout à l'heure, ce qui est la dernière version en date. Donc voilà. L'effet Rotary, c'est ça, Ditbox, c'est la Leslie en fait, hein, la Leslie Speaker, c'est ça. Opus Incertum, et ben je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Bois un verre d'eau, très bonne idée. Écoutez, je vais vous montrer dans un instant. Je vais vous montrer dans un instant ce qui se passe sur l'ordi aussi. Alors, je ne vous ai pas trop montré le looper, parce que je, bon, en toute transparence, je ne l'ai jamais vraiment testé. Mais ça ne va pas être bien compliqué. Je pense qu'on peut allumer le métronome en faisant ça. Voilà. Longue presse, shift plus record to edit. Donc là, le looper, je peux commencer à le configurer. Donc file, donc save recording, ok, je ne sais pas quoi faire, on peut mettre un nom là j'imagine, voilà, ok, back, on peut avoir un précompte avec le métronome quand on démarre le looper, donc là bah, il faudrait qu'on fasse un petit essai, on va mettre le précompte, on va se mettre en tempo sync, puis on va activer la loop, 32 mesures c'est long, hein. On va faire 4 mesures, c'est bien. Voilà. Et le métronome volume, ok ? On va se prendre un son. Un son de basse, je ne sais pas exactement lequel. Mais on va se prendre un son de basse. Donc là, par exemple. Alors, je vais essayer un truc comme ça, là. C'est un looper, hein. J'enlève ça. Alors là, bon, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que je peux quantiser ou pas ? J'ai pas trouvé, ok ? Donc voilà, c'est un looper. Voilà, c'est. Je ne sais pas comment faire mieux que ça. Donc voilà. Alors, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est le gérer avec l'arpégiateur. Ok, on va faire un long press arpégiateur pour. Faire un truc à la double croche, ok, comme tout à l'heure, voilà. Hein, quand vous êtes comme moi, vous n'êtes pas trop fort. Ok, c'est un peu bizarre, là. On va le mettre en hold. Je cherche un mode, hein. Faire comme ça, d'accord ? Allez, ça va être bien. Back. Ok. Arrête-toi d'arpégier. Ok, c'est super. Donc là, bon bah. Voilà, ça va être bien. Je vais faire record. Je l'ai pas joué super en place. Vous voyez que c'est pas nécessairement très simple. Bon, pour moi, ça fait partie des trucs. C'est cool, mais je suis pas sûr de l'utiliser, quoi. Ok. Ah, ça a marché. Voilà. Puis après, je peux m'amuser avec les réglages.
Est-ce que je peux jouer par-dessus? Sympa ou pas? Bon, ok. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour du truc. Maintenant, je pense que ce qui serait sympa, c'est de regarder... Ah oui, non, je ne vous ai pas parlé des parts 1 et part 2. Bon, enfin, vous avez compris. On peut ajouter deux parties. Et je pense qu'en fait, le configurer sur le... la machine, c'est quand même pas ouf. Donc là, on peut ajouter une part 2. Donc, il faut que j'appuie... sur la roue pour ajouter une deuxième partie, et là je peux aller chercher les presets de l'Astrolab Factory. Je peux aller chercher par exemple ici un classique EP, et donc là j'ai ajouté une part 2, voilà. Donc là normalement, vous voyez, c'est pas très clair. Je préfère vous le montrer sur l'ordi parce que c'est beaucoup plus facile, donc on va aller sur l'ordi tout de suite. Hop hop hop. Ah. Oh, c'est crevant hein. C'est crevant d'être debout, en plus je suis debout depuis tout à l'heure. Merci Mukin, je ne sais pas comment ça se prononce. Est-ce que j'ai raté des gens qui m'ont fait des trucs? Stu, merci beaucoup, c'est gentil. Edolon, merci. Ça faisait un bail, ouais, possible, ouais. Alors, je regarde un petit peu le chat. La meilleure notice, ça reste l'exploration. Alors, je pense que la notice est pas trop mal foutue, d'ailleurs... En fait, il y a même plus que ça, ils ont fait un truc pas mal. Attendez, je pense que ça, on peut le regarder ensemble. Ils ont fait ce qu'ils appellent une cheat, c'est-à-dire une anti-sèche, quoi. Donc ça, vous pouvez le télécharger sur le site d'Arturia. Donc vous avez un peu tout ce qui est possible de faire. Donc sur le clavier, on peut faire octave transpose, nanani, nanana... Arpégiator, cordes et scales, je vous ai montré, recorder, looper, donc vous voyez, il n'y a pas de quantisation, pas à ma connaissance en tout cas. Après, tout ce qui est arpégiateur, les short press, les long press, cordes, pareil, short press, long press, ça fait plein de choses. La navigation, je vous ai montré, c'est avec l'espèce de roue qui ressemble à un Google Nest, mais qui finalement est assez sympa à utiliser. Je trouve qu'il y a vraiment un très très bon travail qui a été fait sur cette roue et sur cette interface. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est très bien foutu, très facile à comprendre. On n'a vraiment pas besoin de lire la doc pour s'en sortir. C'est vraiment très, très fait de manière très simple et très intelligente. Multi-instrument de contrôle. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. C'est quand on va pouvoir rajouter des parties et qu'on va pouvoir faire des splits et des layers. Ensuite, master control. Avec toute la partie basse, mid, treble et volume. La wheel qui est en haut là. Voilà, donc bref. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Rajouter vos effets, etc. Donc ça, c'est l'anti-sèche. Et puis après, vous avez la vraie doc. Alors la vraie doc, elle est... j'ai dû la mettre quelque part par là. Astrolab manual. Alors, le point qui est un tout petit peu... un petit peu chiant là, Arturia, c'est les manuels qui sont pas en français, quoi. Bon, c'est ça, c'est vrai que c'est un peu chiant, hein, surtout pour une boîte française, je vous le cache pas, c'est un peu emmerdant. Alors, ok, vous voyez, product version 1, moi je suis en 1.6.6, donc il est possible que ça ait un peu évolué, mais voilà. Alors, on va la parcourir vite fait juste pour que vous voyez, mais je vous ai déjà tout expliqué, on va parcourir juste la table des matières. Voilà, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est use case, c'est-à-dire les cas d'usage. On stage, donc sur scène, pour éviter d'avoir un laptop, un PC, vous avez vos sons de la V-Collection qui sont dedans. Voilà, dans le studio, vous allez voir qu'on va pouvoir faire un miroir de ce qu'il y a dans l'Astrolab à l'intérieur de Analog Lab Pro, et ça, c'est vraiment un truc très très cool de cette...
de cet instrument. Et enfin, en fait, on retrouve un petit peu ce qu'ils ont fait avec le polybrut, le mini brut. Voilà, c'est cette espèce de miroir entre les deux mondes, le monde hardware et le monde logiciel. Ça commence à devenir leur signature et je trouve ça plutôt bien. Boss Stage and Studio, ok, voilà. Puis bon, après, ils nous refont un petit peu d'histoire, on est content, voilà. Ok, bon. On va juste revenir sur la table des matières. Putain, elle est où ? Elle est là. Le hardware, donc je vous ai montré, donc il y a plein d'entrées-sorties, peut-être qu'on peut regarder front panel, rear panel. Voilà, donc, plutôt que de vous montrer avec la caméra, on peut regarder ensemble. Il y a du MIDI, in et out. Il y a des inputs, alors il y a une entrée stéréo. Alors l'entrée 6, là vous voyez, c'est des entrées au XLR et jack, combo XLR jack. Pour recevoir de l'audio depuis un micro, un signal ligne ou des signaux instruments. Là où je suis un petit peu chafouin, c'est que je trouve que ça aurait été bien que ça fasse aussi interface audio, malheureusement ça le fait pas. Bon, voilà. Est-ce que ça va venir après peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant ça le fait pas. Je vous parlais tout à l'heure des aux 1 et des aux 2, vous voyez c'est à côté de pédale sustain. Pédale d'expression, donc là les 7 et 8 là, et vous avez aux 1, aux 2 qui sont aussi des trucs pour pouvoir connecter des commutateurs. Non, c'est pas des mini jacks, hein, c'est des jacks, c'est des gros jacks, il n'y a pas de connexion mini jack. Vous avez donc un storage MIDI ici, donc si vous connectez à une clé USB, vous pouvez aller accéder au stockage de la clé USB sur lequel vous pouvez mettre vos presets, vos samples et tout ça. Enfin, plutôt les presets. Et puis, sinon, vous connectez un contrôleur MIDI, je sais pas, un twister ou n'importe quoi que vous avez qui est classe compliante. Ah, ça, c'est ma souris qui se déconnecte et qui se reconnecte. Et puis à droite, là, vous avez un port USB-C pour connecter à l'ordi. Alors moi, je suis connecté comme ça, là, aujourd'hui. Et ça, c'est le bouton on-off. C'est petit en image. Ouais, bon, ça va, tu vois quand même. Ah, quand même. Ah, tu vois. Attends, j'ai essayé de voir si je peux. Je peux pas zoomer. Voilà. Donc je suis à fond. Ok, je suis à fond. Non, je suis pas à fond. Ah, tu vois là, quand même. Alors, ah. Ok. Ton téléphone est en mode portrait. Ok. Voilà. Donc rien de plus à dire. Mais là, comme vous pouvez voir sur cette entrée 2, les USB connectors. USB-A for connecting storage, mais il y a écrit storage MIDI, hein, donc j'ai pas testé de mettre un connecteur MIDI en fait, mais voilà, ça serait cool si ça marchait, donc je ferai le test peut-être un peu plus tard. Hop, je reviens sur la table des matières, la voici. Voilà, le clavier, les LED, basique opération, je vous ai montré les presets, je vous en ai montré quelques-uns, mais il y en a... Il y en a plein. Le home screen, je vous l'ai montré. Le filtrage des presets par type, par instrument, par artiste, etc. Filtering shortcuts, ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais on va dire que, voilà, c'est possible de filtrer les shortcuts. Ok, très bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... voilà. L'architecture des presets, bah, c'est soit single, soit multi avec deux parties. Macro et instrument editing, ça je vous ai montré, les effets, et puis là je vais vous montrer Analog Lab Pro, et puis les playlists, le looper, wireless setup, je vous ai plus ou moins montré, puis vous voyez, c'est tout, hein, il n'y a pas grand chose. Alors, si je vous montre maintenant Analog Lab Pro, donc attendez, je pense que si je passe là-dessus, ça sera mieux, hop, voilà. Donc ça c'est le logiciel qui vient avec. Qui comprend tous les presets que vous pouvez donc utiliser sans avoir la machine connectée, hein, ça vient avec. Donc, par contre, vous avez un bouton là-haut, Link to Astrolab, parce qu'il a détecté que j'avais un Astrolab, donc je clique, et hop, moi, Astrolab Linked. Et là, vous voyez à gauche, il commence à m'afficher l'Astrolab 61. Okay. Donc déjà, le fait qu'il y ait écrit Astrolab 61... Moi, ça me titille un peu, parce que ça veut dire qu'il y aura peut-être un Astrolab 88. Qui sait ? Et donc, on peut ajouter les fameuses playlists.
Et vous voyez là, on peut rajouter ces sons, on peut les nommer. Tu vois, là, par exemple, c'est ma chanson préférée. Ok. Voilà, donc, il prend pas les accents, c'est très drôle. Ma chanson, ok, très bien. Et puis là, eh bien, j'imagine que quelque part, on va pouvoir ajouter des presets. Alors, on va essayer de voir comment on fait. Donc là, on va aller sur la home. Puis on va prendre une basse, par exemple. Donc quand on clique là, on peut accéder aux basses. Alors moi, j'ai la V-Collection, ce qui veut dire que je peux éditer mon preset directement sur le plugin. C'est-à-dire que là, j'ai un bouton Open et je peux directement afficher le preset de la V-Collection. Mais si vous n'avez pas la V-Collection, vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ouvrir ce truc-là. Alors là, j'ai connecté mon clavier. C'est un Orsage MIDI. Donc là, moi, je peux jouer des presets directement avec mon clavier MIDI. Alors pour pouvoir faire ça, je suis allé là-dedans, puisque là-dedans vous avez à droite, ah oui non pardon, c'est pas là, je suis allé dans Audio MIDI Settings, j'ai réglé, donc ça c'est le logiciel Standalone Analog Lab V, hein, donc que vous pouvez démarrer, alors je sais pas si on le voit là. Je ne sais pas si on voit tout, là. J'ai pas l'impression qu'on voit tout. Je vais afficher mon écran comme ça. Est-ce qu'on voit quand je fais ça? Vous voyez ça ou pas? Ouais, vous voyez, c'est bon. Donc là, par exemple, salut Tyrell Eldon. J'ai réglé mon ASIO avec ma carte son. J'ai réglé les canaux de sortie. Je suis à 256 samples en 44 000. Et derrière, je peux aller choisir les ports MIDI qui me servent à déclencher les sons. Là, vous voyez, j'ai mis mon Orsage 3 et j'ai réglé le tempo. Ok. Donc ça me permet de directement faire le réglage pour que je puisse utiliser mon clavier MIDI. Et après, en fait, sur la droite, ici, vous avez plein de trucs. Donc vous avez la version, vous pouvez updater. Moi, je l'ai updaté tout à l'heure, donc j'imagine qu'il n'y a pas de nouvelle version depuis. Mon device qui s'appelle Astrolab 0802 qui est connecté en USB. Voilà, la polyphonie qui sur ce preset est en mono legato, etc., etc. Là, vous avez toute la partie contrôle MIDI sur ce plugin, etc., etc. Donc, quand vous êtes sur Analog Lab Pro, vous avez ça. Hein, vous avez donc ça, vous double-cliquez pour avoir les presets et vous pouvez changer. Donc là, en fait, je suis en train de jouer d'Analog Lab. Donc ce que je suis en train de faire, c'est d'ouvrir les presets qui sont à l'intérieur de l'Analog Lab. Donc moi là, j'ai 13 240 presets. Honnêtement, je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup de presets chez moi ou si ça va être ça qu'il y a dans l'Astrolab, mais en tout cas c'est beaucoup de presets. Ok, donc la V-Collection, je sais plus exactement combien ça coûte, faut que tu ailles voir sur le site Astrolab Crazy Fingers 10. Mais on viendra en fait sur qu'est-ce qui est indispensable finalement? Parce que normalement, quand tu utilises. Je vais revenir là-dessus et puis on va essayer d'aller voir sur le site Arturia directement ensemble. Quand tu utilises uniquement. Hop. L'Astrolab. Attendez, je reviens là-dessus. On va regarder. Présentation. Ok. Donc ça, c'est les tutos. On regarde à peu près. Donc. 34 instruments qui sont à l'intérieur de la machine. Ok, alors 34 instruments, combien il y a de presets? Il y en a 1300 sons. Voilà. Donc de base, il y a 1300 sons, ce qui est déjà pas mal. Hein. Moi, j'en ai 13 000 parce que j'ai la V-Collection. Et j'ai mes propres sons, plus les sons de la V-Collection et tout ça. Ok. Voilà. En plus, ils vendent des pieds, là, c'est assez cool. Je les ai pas, les pieds, mais je les ai mis sur mon stand, mais voilà. Vous voyez, ça, c'est le truc qui permet justement d'aller configurer et manipuler, naviguer à l'intérieur de l'Astrolab. 599 la V-Collection sans promo. Voilà. Donc, fonction multi-instrument, accord, gamme, arpégiateur, bouclage et enregistrement, boucler n'importe quelle mélodie ou progression d'accord. Et puisqu'Astrolab est capable d'enregistrer en MIDI, vous pourrez aussi entendre comment sonnent vos phrases avec d'autres instruments. Bon. Et on peut brancher le micro externe et ça fait vocodeur. Voilà, bon, j'ai pas testé la fonction vocodeur, mais enfin, je crois Arturia sur parole sur ce sujet-là. Ok.
Donc on a tous les instruments de la V Collection, sauf que bah, on les a pas en entier. C'est-à-dire que là, moi, si je me borne à vous montrer les instruments qui sont dans Analog Lab, bah, vous ne pouvez pas les éditer dans le détail. Ce que vous pouvez éditer, c'est... je vais revenir sur Analog Lab. Hop, je vais me mettre comme ça. Voilà. Ce que vous pouvez éditer, c'est quand, par exemple, vous double-cliquez sur un son. Enfin, vous cliquez sur un son, vous l'avez là sur la droite. Voilà, donc vous savez que c'est un CS80. C'est cool. Vous pouvez afficher les contrôles. Donc, ils sont les mêmes contrôles que ceux qu'on a sur l'Astrolabe. Donc, on peut ajouter de la reverb. On peut ajouter du delay. Et puis quand on clique sur Edit Preset, on arrive là. Ça, on peut le faire quand on a Analog Lab Pro. Donc là, vous voyez qu'on voit les deux parties à gauche, Part 1 et Part 2, qu'on peut synchroniser les effets si on veut entre les deux parties. Bon, là, il n'y a qu'une partie, mais si je clique là, je peux aller ajouter un deuxième son. Donc là, par exemple, si je veux un deuxième son, je vais aller chercher dans les types. Je vais prendre un pad atmosphérique. Puis je vais prendre ça, je sais pas. Ah, ça, j'aime bien, ouais, c'est plutôt cool. Et quand je reclique sur Edit Preset, voilà, je me retrouve avec Part 1 qui est donc le son d'origine, Part 2 qui est le son que j'ai rajouté. Donc là, je peux baisser un peu. C'est un peu fort, hein, mais bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, le son que vous entendez là, il ne vient plus de l'Astrolabe. Il vient de mon ordinateur, parce que moi, j'ai devant moi ma console de mixage, et je vois que le son, il sort pas des sorties audio de mon Astrolabe. Il sort de ma carte son. Donc il sort de mon ordinateur, en quelque sorte. Mais ce son-là, en fait, je peux parfaitement sauver ce preset, et puis dire qu'il ne s'appelle plus After Touch Lead, il s'appelle Joli Thorax. Voilà, vous aurez la référence. C'est Knarf. Et là, je mets un son bien gaulois. OK ? Et là, la banque, je vais la mettre dans la banque Knarf. Je vais appeler ça du lead pas très soft, mais plutôt big. Puis bon, bah après, vous pouvez mettre les différents tags qui sont ici, si vous voulez. Je vais faire save. Et Joli Thorax, qui est ici, je vais le retrouver à plusieurs endroits. Je vais le retrouver déjà... quand je vais faire back et que je vais aller dans mes sons, c'est-à-dire que là je vais aller voir mes soundbank et puis là je vais voir les sons de Knarf et vous voyez Joli Thorax est ici, mais j'en ai d'autres, hein, ouais. Big Bad Boy, voilà, je vous l'ai fait écouter. Voilà, et ce son-là, bah, c'est un son de pigment, hein, je peux le balancer si je veux dans mon... Je vais le mettre là-dedans, comme ça, hein, je vais voir s'il marche. J'ai Joli Thorax que je viens de faire, Knarf Noise. Cool, le OB Harp. Sympa, ok, je vais baisser un petit peu. Bref, c'est cool. Polypad KS. Ça, c'est tous mes sons que j'ai fait il y a quelques temps déjà. Ok. Nice. Revolution. Ok. Revolution Lead 2. Sympa. Et Washed Lead. Donc là, c'est vraiment très sec. Ouais, c'est rigolo. Bref,
une fois que j'ai fait ça, cette banque-là, bah, pour la mettre, par exemple, Desire, là, que j'aime bien. Ok, j'aime bien ça. Donc là, je vais mettre ça. Est-ce que je peux le mettre dans ma playlist, là? Je sais pas, j'en sais rien, on va voir. Hein. Create a playlist in Astrolab. Je sais pas, on va voir. Playlist 1, et j'ai mis le son Desire. Donc ça, je vais le renommer. Voilà, je vais renommer ça. Concert de samedi. Ok, bim. Et dans la song 1, je vais appeler ça Desire. Ok. Ah, j'ai un petit souci de lettre E. Et normalement, bah, c'est tout ce que j'ai à faire. Hein. Je vais me retrouver avec mon son qui s'appelle Desire directement dans mon Astrolab, dans concert de samedi. On va aller checker ça tout de suite. Je vais me lever. Et puis, on va aller checker. Hein. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, le Desire, il est là. Et là, je peux vous dire que le son, je le vois sur ma table de mixage, il sort vraiment des sorties audio de l'Astrolab, et on le voit ici que c'est bien le son que j'ai paramétré avec mon pigment que j'ai fait moi-même, quoi. Donc franchement, c'est vraiment très très cool, parce que c'est pas un son qui est très facile à refaire avec un synthé lambda, hein. Pigment, c'est quand même très 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 puissant. Alors, je vous avoue que ça, ce son-là, j'ai dû le faire avec une vieille version de Pigment. Donc il faudrait que je teste, on va peut-être tester ça maintenant d'ailleurs, avec une version un petit peu up-to-date de Pigment pour voir si ça marche. Sympa, non? Ok, alors je vais revenir par ici et rallumer la cam. Sachi, Sachi, qu'est-ce qui chie exactement? Crazy Fingers, merci beaucoup. Ouais, c'est des beaux sons, j'aime bien faire des beaux sons. Voilà. Alors, je vais me remettre sur le screen. Ok. Alors, j'ai pas checké les playlists, tiens. Je vais checker les playlists parce que j'aimerais bien savoir ce que ça donne sur les playlists. Ah, Sachi, c'est bien. Ouais, d'accord. Alors attends, je regarde, hop, back, je vais faire, voilà, donc je vais checker mes playlists. Ah, concert de samedi, voilà, il est là, ok. Et j'ai une son qui s'appelle Desire, et à l'intérieur j'ai un lead qui s'appelle Desire, donc là voilà, je peux le... Donc là, si j'avais d'autres sons, ils se mettraient là-dedans, et donc je pourrais, donc si jamais j'ai un concert avec une setlist qui est déjà faite, bah voilà, sur scène, j'ai juste à aller choisir le son qui correspond au morceau, et puis tout est bien, et puis si je veux, je peux aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux aller dans les settings, et je peux aller paramétrer les pédales, pour aller dire par exemple que Aux 1 va me permettre d'aller faire Next Song, par exemple. Et donc quand je vais changer de song, ça va me prendre tous les sons dont j'ai besoin. Voilà, donc c'est plutôt bien cool, quoi. Très content. Très content avec ça. Je pense que vous aussi, parce que c'est quand même assez sympa. Salut, Miss Sworn. Miss Sworn. Ouh. Ok, alors si on revient sur Analog Lab Pro, qu'est-ce qu'on peut dire de ce truc-là? Donc là, vous voyez, j'ai fait un son, je l'ai drag and drop sur la playlist. Donc c'est vraiment cool. Je vais faire un delete playlist. C'est celle-ci, j'en ai rien à faire. Donc là, vous voyez, par exemple, on a un exemple de playlist où on a une song ici. Alors voilà, par exemple, on a une song dans laquelle il y a plein de sons qui sont utilisés. 10 sons. Ça fait beaucoup pour une song. C'est assez classe pour le live, voilà, Unplug Song, Live Song, donc là sur Live Song, il y a pareil, il y a 10 sons. Honnêtement, je pense qu'on n'a pas vraiment trop besoin de 10 sons, donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez, à plusieurs moments du morceau, vous pouvez changer de son. Urban Song, voilà, 10 sons, donc là, ils vous ont fait des trucs. Le verbe drag and dropper, ouais, verbe du premier groupe, encore est-il fallu que je drag and dropasse. Donc ça marche bien, écoutez, hein. Voilà, et je peux faire une nouvelle song. Je vais l'appeler, Living at Home, ce qui est un de mes titres. Et puis là, bah, je peux aller mettre un autre son.
Donc là, je vais aller dans mes sandbanks. Je vais aller prendre Knarf. Je vais prendre Joli Thorax. Alors, est-ce que Joli Thorax, je peux aller le mettre Add to Playlist? Voilà. Donc, alors, Knarf Sound. Alors, ça, c'est pas super, parce que j'aurais bien aimé qu'on puisse aller faire directement. Mais si je fais Drag and Drop là-dessus, Living Atoms, voilà, hop. Et hop, il l'a synchronisé. Vous voyez, CS80, Jupiter 8 V4. Donc là, il m'a fait le son Joli Thorax. C'est assez cool. Et donc, je vais avoir deux songs. Mettons que je veuille un deuxième son sur Desire, ici. Je vais aller dans mes soundbanks, je vais aller dans ma propre playlist, et je vais prendre le OB Harp, et je vais le mettre sur Concert de Samedi, et je vais mettre ça dans Desire. Voilà, je vais le mettre plus bas. Voilà, c'est du drag and drop, hein, c'est vraiment très simple. Il y a du OB Harp, il y a du pigment, et vous voyez, j'ai rien eu à faire, parce que, en fait, il l'a déjà synchronisé, et donc, normalement, là, si je retourne voir mon petit Astrolabe, vous allez voir que j'ai bien mes deux songs qui sont ici. Voilà, concert de samedi, deux songs, trois presets. Desire avec deux presets. Donc un premier, un, ensuite l'OBR. Donc je retrouve le son que j'avais tout à l'heure. Vraiment, on est très très bien équipé avec ça pour affronter le live. Donc là, j'ai le son Joli Thorax de tout à l'heure. Ok, j'appuie là-dessus. Super. Impec. Donc là, vraiment, Opéra Cosmique, exactement. Avec ou sans poil, le Joli Thorax. Ok, les amis, donc revenons sur Analog Lab, ici. Donc, je vous ai montré les playlists. Je vais retourner là-dessus. Donc, une fois qu'on a choisi son son, donc si je reprends basse, là, par exemple, je fais un petit clic, là, je peux retirer mes filtres. Bon, moi j'ai plein de presets, je peux prendre les presets user là, qui sont les miens. Voilà. Ah, il y a des trucs d'Airwave. Ok, parfait. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait des trucs d'Airwave. Mais ça, c'est parce qu'il m'a passé des presets. Ça. Ok, cool. Nothing to lose. Ah, il y a des petits... Voilà. Ah, impossible to load this preset. Donc là, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un petit truc ici, c'est qu'on peut pas. On peut pas. Donc par exemple, le plugged bass, je peux pas charger ça dans l'Astrolabe parce que bah, y a pas le moteur sonore qui va avec. Donc vous voyez, on sait quand ça marche pas. Donc ça, c'est un peu chiant. Dirty Lead, So Noise, Dogs and Cables. Donc ça, c'est un son que j'ai utilisé dans un de mes titres. Voilà, donc si vous aimez Dogs and Cables, je vous invite à aller checker sur Spotify, vous allez reconnaître ce son. Alors, il n'y a pas tous les moteurs sonores Arturia, bah, manifestement non, comme tu peux le voir, puisqu'en fait, il y a certains de ces synthés. Donc là, par exemple, si je suis en exploration avec mon Astrolabe linké, si on prend un de ces sons là, qui sont ici, donc vous voyez, ça
c'est ma banque utilisateur. Donc, je vais délinker mon Astrolabe. Voilà. Et là, dans ma banque utilisateur, bah, y avait des sons que je ne pouvais pas avoir. Donc là, par exemple, Stroboscope, je ne pouvais pas l'avoir. Pourquoi ? Parce que c'était du mini-fric et que le mini-fric, il est pas possible. On peut pas le... Il n'est pas dans la V Collection, quoi. Et donc, il n'est pas supporté par l'Astrolabe. Là, c'est pareil, c'était du mini-fric. Vous voyez ? Donc, si vous faites des sons avec d'autres... d'autres synthés qui sont compatibles avec Astrolabe mais qui sont pas dans la V Collection, ça va être compliqué pour l'Astrolabe quoi. Alors attends, pour avoir Dogs and Cables, bouge pas, je vais te donner ça. dogsandcables.com. Tiens. Voilà, amuse-toi. Ça, c'est mon EP de 2021. C'est ce truc-là. C'est un peu idiot. Ouais, bref. Vous écouterez, il y a du Bandcamp aussi, il y a du Spotify, si vous cliquez là. Ah, ça marche plus, bah bravo. Bravo les amis. Bah, sinon, vous allez sur Spotify ou Apple Music, vous cherchez Dogs and Cables. Là par exemple, si vous allez là, vous cherchez Dogs and Cables, vous avez du Knarf là. Alors, et sinon ici il y a Dogs and Cables, c'est ça, c'est ce truc là. Ok, voilà. Alors, sinon, Analog Lab Pro, on disait, on était là. Le Mini Freak est dans la dernière version de Analog Pro. Ouais, mais il est pas dans l'Astrolabe manifestement, tu vois, c'est ça le truc. C'est pas parce que t'as dans Analog Lab Pro, t'as le mini-fric. Ouais, c'est pas mon chien, mais c'est un chien, ouais. Donc là, si je relink l'Astrolabe, tu vois, tous les sons mini-fric, ils se mettent en grisé avec un petit truc. Ok. Alors ça, c'est la librairie. Comme vous pouvez voir, là, je suis sur la librairie Astrolabe, où il y a plein de presets. Hop. Alors, j'ai pas leur nom, mais j'imagine qu'il y a les fameux 1300 presets dont on parlait quand on visitait le site Astrolabe. Et vous voyez ici, il y a un disque usage. Donc il y a 22,59 gigas de disques dans l'Astrolabe. Ah zut. Excusez-moi, je reviens sur Library. Vous voyez là-haut, 7,02 gigas sur 22,59 gigas. Salut The Free Boop. Et donc vous pouvez aller checker chacun de ces presets, classés par type, classés par designer si vous voulez. Alors parmi les designers d'ailleurs, il y a pas mal de gens assez cool. Donc là par exemple, si je fais Explore, je peux aller cliquer sur Designer et là vous voyez qu'il y a, il y a pas mal de monde. Hein. Il y a Maxime Dangle hein, qu'on peut voir ici, voilà, il y a Lily J. Évidemment il y a plein d'autres personnes, plein d'autres... sound designer talentueux. Donc je vous invite à aller checker. Si vous aimez un style de son et que vous dites ah putain, à chaque fois je tombe sur ce sound designer, j'adore ce qu'il fait, bah c'est un bon moyen de classer par son, classer par sound designer. Vous voyez, ils sont nombreux. Hein. Ah, il y a même du Andrew Wang, tiens. Allez, on va aller checker les presets de Andrew Wang. Guitare. Ok, clavicule. Ok, c'est assez cool ça. Dub, pluck. Donc on peut aller checker, c'est un pigment, vous voyez, Edit Preset, bon c'est cool. Alors mettons je veux faire un son de zéro, bah, ça c'est un peu le truc qui va vous frustrer si vous n'avez que l'Astrolabe, c'est-à-dire que fabriquer un son de zéro, si vous n'avez pas autre chose que l'Astrolabe, bah, vous pouvez pas en fait. Il vous faut, pour vraiment tirer le plein potentiel de ce clavier,
bah, il faut vraiment la V-Collection, quoi. Ou il faut au moins un ou plusieurs plugins de la V-Collection pour que vous puissiez, si vous avez Pigment, par exemple, moi, je vous conseillerais fortement d'avoir Pigment, parce que Pigment, c'est vraiment un super plugin. Vous cliquez dessus, et là, il va se rendre compte que vous l'avez, il va le charger. Voilà, bim. Donc, moi, je suis dans Analog Lab Pro, mais en vérité, là, c'est le moteur Pigment qui s'affiche. Et donc, je vais pouvoir carrément aller fabriquer un son. Alors, moi, ce que j'aime pas, là, dans cette interface, c'est que vous voyez ici, il n'y a pas de new preset, quoi. Et j'aurais bien aimé, là, qu'on puisse faire un new preset, parce que c'est chiant, en fait. Hein. Et là, on va se retrouver, quand on clique sur back, avec ce truc-là. Et moi, je trouve ça chiant, en fait. Ça m'énerve d'avoir ce truc-là. Donc, je préférerais avoir un truc où je peux dire, je fais mon preset. Alors après, on pourrait très bien imaginer que je vais charger Pigment à part. Et puis, je vais pouvoir... D'ailleurs, hein, la plupart des sons que vous voyez, si je fais back ici, explore par instrument, et vous prenez Pigment, et que vous prenez non pas Andrew Wang, mais moi, par exemple. Voilà. Je prends Knarf Sondier ou Knarf, je me suis appelé de deux manières. Mais vous voyez les sons qui sont là, par exemple le Polypad KS, celui-là, je ne l'ai pas fait dans le cadre de la vidéo Astrolab. Je l'ai fait il y a longtemps. C'est un son avec Aftertouch, donc là j'exploite l'Aftertouch du truc. Et là, du coup, je peux aller faire Edit Preset. Donc là, je vais avoir des sons qui sont par défaut Chorus Phaser, Delay, Reverb. Et là, je peux ouvrir. Alors, vous allez me dire, il y a déjà du delay et de la reverb, effectivement, parce que quand vous faites open sur Polypad KS, qui est le nom du son, et que vous allez sur FX, bah, moi, j'ai déjà rajouté des tonnes de trucs, quoi. J'ai rajouté de la reverb, du tape echo à blinde. Je sais pas si c'est le son de Hypertrain, je sais pas. Mais là, si je fais back, je peux encore ajouter des effets à l'intérieur de Analog Lab. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, je peux rajouter, si je veux, du chorus par-dessus. Voilà. Je peux rajouter du phaser. Pigment est toujours à part de la V-Collection, mais dans l'Analog Lab, voilà. Donc si vous avez Pigment, c'est bien. Pigment, c'est quand même un instrument à posséder, je pense. C'est un peu une alternative à Serum. Je sais que beaucoup de gens ont Serum ou Diva. En vrai, pour bien faire, il faudrait tous les avoir, parce que c'est des super instruments. Et là, je peux rajouter encore de la reverb en plus. Et vous voyez, il y a plusieurs modélisations de reverb. Hein. Il n'y a pas que la Digital Reverb, il y a aussi... plein d'autres trucs, donc vous voyez, large studio, size, ok, on peut les allumer ou les éteindre si on a envie. Alors, pour vous montrer, je peux aussi éteindre les effets de Pigment. Donc là, il n'y a plus d'effet dans Pigment, je fais back, je vais rallumer celui-là. C'est fort. Ok, ça c'est cool. Après on peut aller checker, il y a Large Concert Hall. Sympa. Ah, vous voyez, il y a moyen de s'amuser quand même. Et puis vous avez aussi le routage directement qui est disponible ici, que vous pouvez allumer ou éteindre. Voilà. Soundbank, bah ça c'est si vous créez des banques. Là moi par exemple j'avais fait une banque MiniFreak, comme vous pouvez voir j'ai 16 presets de banque MiniFreak. Il faudrait que j'en crée 16 de plus et puis que je fasse un pack de sons, mais pour l'instant il n'y en a que 16. Tiens, on va les écouter, ça va être rigolo. Acidity. Ah. Select preset. Attendez, parce que là, je suis sur deux trucs en même temps, donc ça va pas le faire. Voilà. Hop. Ah, il est beau ce son.
Epic Electro Sax. Effectivement. C'est effectivement, c'est un électro sax. Gargamel avec deux LE. Ah, je les aime bien, ces sons, ouais. Don't forget to use macro 1 and 2. Ah bah, hey. T'es marrant, toi. Edit preset. Open. Macro. À la mode wheel. Sympa, hein? Ouais, c'est cool. Attendez, on va faire back in medito. Donc là, on a changé de sujet, on est sur du mini fric. Mais c'est pas grave, on écoute un peu les trucs. Ah, je l'aime bien celle-là. Ouais, c'était sympa ça. Sympa, ma biche. Majeur, c'est mieux. Ouais, ça pourrait être un hommage à De Funès, tout à fait. Nono Robot. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de modulation sur ces sons, donc... Sympa, hein, les petits sons, hein. Ça vous plaît ? Ah, c'est pour mon prochain pack de sons mini fric, faut que je fasse les 16 autres. Ah, celui-là il est cool. Ah, alors, detailed CPU specification on Astrolab, je les ai pas, I don't have them, Mr. Spock. Best is to go to the Arturia website. Hein. Tonight we're just checking out the synths quickly. On fait juste un check du synthé là. Je vais pas te lire les specs. C'est pas mon taf. Faut que tu fasses des efforts. Oh la vache putain. Ça vous plaît ça ou pas? Tu veux pas open ton Astrolab? You don't want to open your Astrolab? Bah alors, enfin! Mais si, tu vas voir, c'est bien. Oh, douce nuit! Ah, mais c'est un peu le même, hein. Ah! I mean, whatever, you will have the detailed spec and so what. You know, you don't know, this is not... excusez-moi, je parle un peu anglais pour lui. This is not a computer that is a traditional computer. You would not be able to compare anyway. So nobody really cares about the detailed specs. I mean, it's okay to care, but that will not give you any kind of reassurance that you will be able to open any sound in the next 10 years. Ah non mais d'accord, c'est parce qu'en fait je fais deux trucs en même temps. Attendez, fouf. Voilà, c'est pour ça que ça marche pas. Je me disais, dis donc, je comprends pas, c'est le même son qu'avant. Donc, Nova Bass, Eau douce nuit. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oxmo Calling. Simply the bass. Simply the bass.
Stroboscope. Summer June. Allez, on écoute les deux derniers, puis après j'arrête le mini-fric. Ça fait un peu genre Inspecteur Gadget, ça. Wipeout. Bon, il y a beaucoup de sons un peu distordus, donc il faudrait que je retravaille un peu ça. Mais bon, sinon c'est sympa. Ok, allez, hop, l'Astrolabe. Et vous voyez, quand je link l'Astrolabe, il y a plein de sons qui sont plus disponibles. Évidemment, quand je prends les instruments, là, je peux aller chercher les presets. Mes soundbanks, si je retrouve ces sons ici, bah voilà, ça se passe bien. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, le joli thorax, vous voyez qu'on voit que c'est un multi parce qu'il y a ce petit icône là qui permet de comprendre qu'en fait, il y a deux couches de son. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça, j'ai déjà vu. Alors, ensuite, on peut classer. On peut associer des couleurs là. Bon, ok, light, red, orange, yellow. Bon, super. Moi, si je veux bleu, je fais comment? Edit. Ah ben voilà, je peux avoir du bleu si j'ai envie. Purple, grey, je vais activer toutes les couleurs. Si je veux d'autres couleurs, je fais comment? Allo Arturia. Bon, c'est pas bon pour les comment ça s'appelle, les colorblind. Je sais pas comment on dit en français, mais enfin vous avez compris. Je commence à être fatigué, il est 20h30. J'ai besoin de boire un coup. Tiens, c'est pas grave, je vais boire. Bon, ça vous plaît? Vous avez des questions? Dalmatien, non, c'est pas ça. Merci, Ju. Merci, c'est cool. Ouais, pour l'instant, les masterclass, on va se calmer un peu. Il dit bleu et il aime l'orange, ouais. Astigmate, non, c'est pas astigmate. Daltonien, merci. Ouais, c'est ça. Exactement, daltonien. Alors, mes playlists. Knarf Sounds. Go on stage. Alors attends, parce que là, moi, ça me... Waouh. Ok, alors on a même une interface pour aller on stage. Donc ça, c'est plutôt l'interface de Analog Lab Pro. Et là, donc, on peut mettre ses songs et ses presets. Bon, bah, il n'y a rien pour l'instant. Mais si, par exemple, je reviens en arrière là-dessus et que je prends mes sons, je prends les soundbanks Knarf et je prends Desire et que je mets ça là-dedans. Voilà, bah, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein, sauf qu'en fait... Ce sont des playlists locales à Analog Lab Pro. C'est-à-dire que vous voyez ici, c'est la même chose qu'en bas, sauf que ça, c'est la playlist dans le logiciel et ça, c'est la playlist dans le synthé. Bon, voilà, c'est un peu la même fonctionnalité. C'est juste que là, quand vous faites cancel, quand vous faites ça et que vous faites go on stage, si vous avez un laptop, vous avez ce truc-là qui s'affiche, quoi. Voilà, donc vous avez un premier son et après le preset qui correspond au son. J'ai un peu le sentiment que c'est un peu un genre de main stage version Arturia, quoi, pour ceux qui connaissent main stage et qui utilisent main stage en live. Main stage étant l'hôte à plugin dont beaucoup d'artistes se servent pour charger leur plugin, notamment ceux qui utilisent beaucoup Logic, puisqu'on est capable de charger les presets issus de Logic assez facilement dans main stage. Le orange bleu est accepté, bah merci. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est tout, je crois. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Dernier truc, c'est les stores. Là. Donc ça, c'est un nouveau truc aussi. C'est que Arturia, ils se mettent à faire des presets, des packs de sons. Voilà. Alors, je sais pas s'ils sont tous d'Arturia ou si on peut fabriquer les siens et mettre en vente sur le store. Donc vous avez des packs de sons là, entre 10 balles, alors on va regarder à 10 balles qu'est-ce qu'on a, on a 32 sons à 10 balles, voilà, à 15 balles on a 64 sons, ok, et à 30 balles on a 150 sons, voilà, ok, donc 150. Après je ne sais pas qui les a fabriqués ces sons, donc là c'est pour Analog Lab, Transport Your Sound. Est-ce qu'on peut les...
Ouais, on peut les auditionner, c'est quand même sympa. Ça, c'est plutôt pas mal comme idée. Ouais, moi j'avais pas regardé si ces packs là, mais c'est plutôt intéressant. Donc là. Chouette les sons là. Waouh! Ah, c'est canon hein! Dystopic Player. Et ça, c'est moi qui éternue. Faire un track uniquement avec les sons en pré-écoute. Ah, ça me donne envie de faire du SQ80. C'est chouette ça. C'est des beaux sons hein. Franchement hein, c'est super hein. OK. Je vais pas passer ma vie à écouter les sons, mais c'est chouettos. Alors, je reviens là sur mon Astrolabe et peut-être jouer d'autres sons à distance de l'Astrolabe parce que j'aime pas jouer debout, ça me saoule en fait. La chanson, il jouait du piano debout. Naze, on est d'accord. Library. Qu'est-ce qu'on se met comme son? Encore un son un peu oriental. Est-ce qu'on a un type? Attends, des basses, des plucks, des sub-bass. Equinox Bass. Mmh.
ça va faire controls. Il y a du mouvement, il y a du... Ça sonne un peu Equinox, ouais. C'est sub de ouf, ça. Just can't get. Ah ouais, tiens. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, c'est du mini, donc là... Vous voyez, le truc intéressant, c'est que si je veux ouvrir ça, je l'ouvre et j'ai directement... C'est très ça, parce que vous voyez là, la photo qu'on voit là, c'est la photo du plugin qui s'appelle Mini V4. Et ce truc-là, quand vous faites Open Mini, vous avez le Mini V3. Ça montre bien qu'en fait, il y a une version de retard hein, entre ce que l'analogue Lab Pro avec Astrolab est capable de gérer et ce que vous avez éventuellement dans la V-Collection, quoi. Ah, il y a un truc que j'ai pas trouvé, c'est la possibilité, là, dans les contrôles, la possibilité de vraiment modifier les paramètres qui sont là. Parce qu'en fait, on peut toujours aller... Donc, si on va là-dessus et que j'affiche les macros, là, j'ai un menu macro, ici. Et là, vous voyez, si je clique là, la destination, c'est cutoff. Mais en fait, ce que j'aimerais bien, moi, donc, alors, en fait, je peux faire learn. Et là, il me propose le son. Donc, je peux aller enlever ça et puis je peux mettre à la place ça, par exemple. Voilà, donc là, je peux virer cutoff et mettre à la place filter envement. Donc, en fait, je peux changer dans une certaine mesure Ah, je peux même changer le son, le nom. Ah, bah ok, j'avais pas compris. Donc je vais appeler ça Env. Donc en fait, la macro, du coup, elle change de nom. Donc là, vous voyez, j'ai changé cutoff en contour. Donc là, par exemple, timbre, au lieu d'ouvrir l'emphasis ou la résonance, je pourrais décider de mettre plutôt le decay time. Là, je vais mettre decay. En fait, j'ai moyen quand même de changer les trucs. Donc là, il faut que je règle ça. Et le sustain. Donc là, ce qui fait que maintenant, ce son-là, sur l'Astrolab, quand je vais l'ouvrir... Bah, même si sur les boutons il y a encore écrit brightness et je sais pas quoi d'autre d'ailleurs, timbre, bah moi les boutons ils vont faire env et decay. On va tester si vous voulez bien, ok, on va faire hop, save preset as, living city base knarf, voilà, on va mettre knarf sondier, on va le mettre comme ça, ok, user. La banque, je la mets dans Knarf Sondier. Ok. Voilà, save. Ok, et donc maintenant, théoriquement, je devrais retrouver ça dans mon Analog Lab. Dans mon Astrolab, pardon. Voilà, donc je l'ai là, Living City, Bass, Knarf. Et donc là, maintenant, sur les boutons, je vais ouvrir un peu. Ok. Donc là maintenant, sur les boutons qui sont là, il y a écrit brightness et timbre. Mais ici, il y a écrit env. Et là, il y a bien écrit decay. Ok.
Ah, je suis un peu embêté parce qu'il y a écrit decay, mais je pense que j'ai pas enlevé la résonance, donc faut que je l'enlève. Je vais le faire de ce pas. Je vais le faire de ce pas. Hop. Et oui, exact, j'ai oublié d'enlever emphasis ici, donc là, faut que j'enlève ça. Donc je clique là, je fais delete. Et maintenant, j'ai plus que le decay, j'ai plus qu'à faire save preset. Et hop. Non, c'est toujours là. J'ai toujours de la résonance. Bon, il y a une histoire. Il y a un truc. Il y aura marqué en VDK, ouais. Est-ce que les sons sont dispo après dans le mini V4? C'est-à-dire, tu veux que les sons que je fais soient dispo dans le mini V4? Ah bah ouais, ils sont dispo. Là, par exemple, le son que j'ai fait, j'ouvre le mini et tu vois, le son, il est là. Hein. Donc là, tu vois, je fais save preset. Est-ce que je l'avais chargé ou pas? Est-ce que il... Tu vois, il... En fait, je sais pas, j'ai dû oublier de le... l'enlever. Il était pas enlevé, je sais pas. Je refais save. Et tu vois, quand je fais save... Le emphasis y revient, je pense que c'est un bug. Hein. Et là, sablier. Problème. Delete. Ok. Voilà, donc là, il est delete. Save. Il revient à chaque fois. Bug. Vous voyez pas? Ah oui, vous voyez pas. Merde, attends, excusez-moi. J'ai oublié de... Vous voyez que moi, bah, c'est normal. Alors je vous le refais. J'étais là, et en fait je clique droit, je fais delete. C'est-à-dire que là, mon paramètre decay, je veux qu'il y ait le filter env decay, c'est-à-dire uniquement ce paramètre-là, decay time. Là, je veux réduire ça. Ok, et alors ça, c'est bien. Maintenant, si je fais back et que je fais save preset, le emphasis, il revient. C'est chiant, ça. C'est chiant. Je vais délinker mon Astrolab. Je vais faire save preset. Ah ah, ça n'a pas sauvé. Ça veut pas, vous voyez. C'est très bizarre. Alors, je vais faire Open Mini, je vais faire le save ici. Ça veut pas. Il y a toujours les petites étoiles qui veut dire que le truc n'est pas sauvé. Oh, c'est fou ça. Back. Je vais link to Astrolab. Donc là, Astrolab est link. Et là, mon emphasis, il revient. Oh, au secours. Ça veut pas. Save preset. Non. Ok, alors. Je vais essayer de faire save preset as 2. Ok, donc là il est bon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Soundbank. C'est fou ça. Explore designers. User. Où est-ce qu'elle est, ma basse? Elle est pas là. Bon, je vais retourner voir l'Astrolab. Donc là, je vois bien mon Living City Bass Knarf 2. Là, c'est bon. Bon, c'est pas fabuleux au niveau decay, mais c'est pas grave. C'était juste pour l'exemple. Ça marche. Bon, je suis content quand même que ça marche. les fleurs. Eh ben, il est 20h51. Et on a fait des tonnes de trucs. Bon. Je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs de l'Astrolab dont je vous ai pas parlé, que vous aimeriez que je regarde, vite fait? Je crois pas, hein. Je crois qu'on est plutôt assez complet là.
Alors évidemment, ça, bon, je ne vous ai pas dit, mais on peut. Là, je vous ai montré directement la Astrolab via l'Analog Lab, le logiciel Analog Lab. Mais si je démarre Ableton, je peux aussi intégrer Analog Lab dans Ableton Live, puisqu'il est dispo sous forme de plugin VST, donc ce n'est pas du tout un souci. Le temps de charger mon Ableton Live. Hop. Ça arrive. Vous êtes patient, vous êtes très patient. Voilà, ça vient. Est-ce qu'on peut l'alimenter avec une batterie externe? Non, je pense pas. Non, c'est assez lourd, hein. C'est un gros truc, hein. Ça pèse. C'est pas un petit clavier pourri, il y a du vrai poids. Après, est-ce que c'est le poids de l'électronique ou quoi? J'en sais rien. Je pense qu'il y a aussi la question des matériaux qui ont été choisis pour le truc. Est-ce que je l'achèterais? Difficile à dire parce qu'en fait, autant j'aime bien le concept. C'est une bonne question, ça, hein. Est-ce que je l'achèterais? Si j'avais rien, peut-être que j'achèterais un truc comme ça. Mais après, le problème, c'est que t'achètes ça et tu te rends compte assez rapidement que t'as besoin d'autre chose, quoi. Tu vois? T'as besoin de la V Collection, t'as besoin d'autres plugins. Alors, moi, j'achèterais ça Epigment, par exemple. Parce que ça Epigment, je pense que t'as un truc qui est pas mal. Donc, ouais, je l'achèterais probablement, mais je serais un peu gavé par le fait que j'ai pas nécessairement tout si j'ai pas la V Collection. Tu m'écouterais pendant des heures. Oh. Alors, Crazy Fingers 10, c'est quoi ta question? Est-ce que on voit bien sur l'écran de l'Astrolabe? Ouais. Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. On voit très très bien. Il devrait le vendre avec logiciel. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc là, par exemple, j'ai. Bon, ça, c'est mon template. Il est un peu chargé, mais. Si je passe, par exemple, comme ça. Et, attends, je vais virer tout le bordel qui est là, parce qu'on s'en fout. Ça, c'est mon template chargé. Hein, donc. Avec toutes mes pistes. Les instruments, les trucs, les machins. Quand je veux faire de la musique. Ce qui arrive, hein. Je fais pas que des streams et des vidéos. Donc là, par exemple, je fais une piste audio, je fais une piste MIDI. Donc là, je peux aller chercher Analog Lab. Donc je vais aller dans les plugins. Je vais aller dans instruments et Analog Lab V. Donc format, je prends VST3 et je prends mon Analog Lab V. Non, c'est le Commodore 64, c'est pas le 128, regarde. 64. Hein. Et donc on retrouve exactement la même chose ici. Hein. Vous voyez, franchement, il n'y a aucune différence. Et en plus, je peux toujours utiliser le Link to Astrolab. Et là, Astrolab est Link. Et donc maintenant, bah, je vais retrouver tous mes sons. Hein, vous voyez, Living City Bass Knarf. Alors là, par contre, un truc rigolo, c'est que je vais pouvoir prendre. Un son. Alors, si je prends le Mini V4 par exemple, parce que moi j'aime bien le Mini V4, je vais prendre un son, je vais faire un son avec le Mini V4. D'accord? Donc, on y va. Donc là, je vais. Donc là, je. Bon, je vais pas faire ce son-là par exemple. Ok, je vais faire un son assez basique, hein. À la quinte. La quinte plus 4 centièmes de ton. Donc là, ce son-là, ok, je l'aime bien, ok. Donc là, déjà, la différence par rapport à Analog Lab, c'est que ici, dans le menu, j'ai un menu qui s'appelle New Preset.
Et ça, je peux pas le faire dans Analog Lab, ça me saoule en fait. Surtout quand on a la V Collection, j'aimerais bien qu'on puisse faire des new presets directement depuis, Analog Lab V, quoi. Donc là, je vais faire Save Preset As. Là, je vais mettre Knarf Sondier. Ok, Soft Bass, c'est bien. La banque, bah, je sais pas, je vais l'appeler Knarf Sondier. Ouais. Knarf Bass 7. Seventh Bass. Ok, très bien. Save. Parfait. Donc ça, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça aille dans mon Astrolab. Mais comme c'est du mini V4, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va y arriver ? Donc là, c'est la grosse question. Donc là, je retourne dans mes soundbanks. Je vais voir... Il n'y a pas Knarf Sondier, donc ça c'est un peu chiant. Explore, designer, user, est-ce que je suis dedans? Est-ce que j'ai mon... Ah, déjà j'ai... Voilà, je l'ai là ma basse, regardez, vous voyez? The preset cannot be loaded in Astrolab because its sound engine is not compatible. Parce que je l'ai fait avec le mini V4 et que le mini V4 il n'est pas compris par l'Astrolab. Parce que dans l'Astrolab, tout ce qu'il comprend c'est le mini V3. Et ça, c'est chiant. Alors maintenant, si je fais la même chose avec Pigment, je vais charger une instance de Pigment. Alors moi, j'ai Pigment 5, dernière version. On va voir si c'est la même chose. Ok, donc là, bah, je vais prendre hop, New Preset. Ok. Ok, Basic Waveform, donc bah, ouais, c'est bien, on va faire comme ça. On va faire une première waveform comme ça. Et on va faire analogue ici. En fait, je vais plutôt prendre ça. Je vais plutôt prendre analogue là. Voilà, on va faire comme ça. Et puis ici, on va se mettre à plus 7. Ok, Coarse, on va se mettre à moins 12. Et on va mettre le filtre. Voilà, on va se mettre avec un filtre mini. Ok, là on est à moins 12 en fait, là j'aurais dû mettre plus 7. Avec un accord fin. Ah, je me fais mon son de basse que j'aime bien, d'accord. Et là je fais Save Preset As. Je vais mettre la Knarf Bass. Voilà, Autor Knarf Sondier. Voilà, type, c'est une basse. Ok, donc c'est une bassline, ouais, c'est bien. Dans la banque Knarf Sondier. Et puis, tout ça, ça me fait un peu suer. Hein. Style deep, dark, warm. Ouais. Quel genre, je m'en fous. Techno, voilà, ok. On va faire ça comme ça. Distorted, un petit peu. Voilà, allez, save. Juste pour l'exemple, d'accord. Donc ça, c'est la Knarf Bass. On est content. C'est magnifique. Maintenant, si je vais dans Analog Lab et que j'essaie d'aller retrouver voilà, la Knarf Bass. Ah, bah là, regardez. Je peux la mettre. Je peux la... Ah, ça, c'est super, ça. Parce que même avec la dernière version de Pigment, je peux le faire. Donc là, je peux aller dans ma playlist, dans Concert de samedi, là, ok. Et puis, je peux mettre ça dans Living Atoms. Et c'est super. Et là, maintenant, bah super, je peux aller là. Et normalement, vous la voyez, elle est là. La Knarf Bass. Ah, ben, je sais pas, j'ai pas mis la macro. Attendez, faut que je mette la macro. Ah, ça, c'est... Petit souci de... J'aurais dû mettre la macro, parce qu'en fait, il attend que je mette la cutoff sur la macro. Donc, en fait, effectivement, j'aurais dû le faire. C'est bizarre que ça soit pas fait par défaut, mais... Why not? Donc là, on va le mettre ça sur un macro... Macro 1, M1 ici, ok, voilà, ok.
c'est pas bon. J'arrive pas à la bouger. Comment ça se fait que j'arrive pas à la bouger? Ouais. Ah oui, non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Macro 1. Si, normalement, c'est bon, ça. J'arrive plus à la bouger. Normal, patron. Assign, voilà. Voilà. Ça a changé, ça a changé la manière dont on fait maintenant. J'ai fait 15 000 sons avec, avec Pigment, mais maintenant ça, ça marche plus comme avant. Ouais, pourtant c'est bon. Allô Macro 1? Allô Macro 1? Ouais. Ok, Macro 1, bah, pourtant elle est bonne. Hein. Bon. Alors je vais faire save, save preset, je sais pas cliquer, bah si, c'est-à-dire que là j'arrive plus à lever la macro 1. Oui, non mais je sais que je peux drag and drop sur le potard, mais là j'arrive plus à lever la macro 1. Cut off. Bon écoute, c'est pas grave, on va sauver, ok, voilà. Et puis derrière on va aller dans Analog Lab, et la Knarf Base normalement elle a dû se sauver. Hein? Save? Ouais. Est-ce qu'il y a une macro? Non. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Je peux aller dans les macros, ici. Je peux faire ça. Macro. Et je peux faire learn. Et là, je peux prendre ça. Je peux prendre ça. Voilà. Et ça ira très bien. Et ça, on le vire, on s'en fout. Voilà. Ok, on fait back. Et normalement, tout... tout va pour le mieux. Voilà, c'est bon. Sacré toi. Allez, et je vais voir maintenant directement. Eh, ça marche, non? Vous voyez bien que ça marche. Ok. Tout fonctionne merveilleusement bien. Tout fonctionne merveilleusement bien. Il est 21h05, je suis à la bourre. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, les amis. J'espère que c'était cool. On va essayer de se choper peut-être quelqu'un à raider. Et je pense que les deux curamistes, ça fait longtemps qu'on les a pas eus. J'espère qu'ils sont live. Ils sont live. Quelqu'un voilà. Tiens, allez, voilà. On va y aller, alors, ok. Effectivement, on n'était pas là pour vous remonter le moral, mais il y a eu des. Allez. Ils vont parler politique, ah putain, les cons. Attends. J'ai pas mal de petits. C'est parti, bisous. Ah, ouais. Salut, à demain pour l'émission. Demain, on a Deep Forest dans l'émission d'ailleurs. Oui, oui. Ok. Bon, bah voilà. Allez. Bien content. Adieu. Les petits. Adieu, adieu. Salut, salut. À demain. Pour envoyer de l'argent, vous scannez le QR code. Voilà, comme dirait Jean-Luc, comment il s'appelle l'autre là, Jean-Pierre Jean Chalençon, la QR code. QR code, voilà. Bonsoir. Salut les sondiers. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Vous arrivez tous pile au bon moment. Ciotti, mais... Vous arrivez au moment où on réclame de l'argent. Pour cela, rien de plus simple. Vous scannez le QR code ou alors vous vous rendez sur tipeee.com/Simon et Simone. Je vous rappelle.